Bon, eh bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que les séances qui se passent par Zoom vous donnent un certain nombre d'enseignements et d'éclaircissements sur ces questions de la scénographie. En réponse à la demande de Nicolas André, j'ai préparé une présentation sur le projet que j'ai pu mener à la Monnaie de Paris, qui est un projet d'ailleurs qui en réalité n'est pas achevé et qui est un projet qui a démarré de fin 2008 à l'occasion d'un concours de maîtrise d'œuvre qui avait été lancé par l'établissement public industriel et commercial de la Monnaie de Paris, qui est un établissement qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances. Donc j'ai choisi de vous parler de ce cas-là parce que d'abord parce que c'est un projet qui m'a occupé presque déjà 10 ans. Ce qui n'est pas d'ailleurs si rare que cela dans le domaine de l'architecture et de la scénographie, puisque bien souvent les projets mettent du temps, et notamment quand il s'agit d'intervenir sur des bâtiments existants et des grands ensembles patrimoniaux et monumentaux comme celui-ci, et puis aussi parce que les projets ont leur propre vie qui navigue au gré des aléas divers et variés, qu'ils soient budgétaires, calendaires, institutionnels ou autres. Donc, ce que j'ai prévu de vous présenter le projet, finalement en partant de ses prémices, du concours, de la question qui était posée dans le cadre d'un concours, qui était un concours de type loi MOP, c'est-à-dire maîtrise d'ouvrage public, donc un concours sur esquisse fait sous anonymat, donc qui n'a pas donné lieu à de jury avec un oral, et qui était un concours dans lequel nous étions finalement 7 à être admis à concourir, et pas des moindres, puisqu'il y avait dans le même bateau, je dirais, Rudy Ricciotti, Reichen et Robert, Jean-Michel Villemotte, Jean Guervilly et quelques autres. Et donc, c'était un concours assez ouvert qui était basé sur une intention, une question que se posait le maître d'ouvrage. Peut-être êtes-vous trop jeune ou n'étiez-vous pas concerné par ces questions, mais en 2007, il était beaucoup question de vente de grands bâtiments appartenant à l'État, de vente notamment à des grands groupes étrangers, à des fonds provenant du Qatar pour y installer des grands hôtels de luxe ou d'autres établissements. Et ce projet a pris naissance dans la volonté de son président du président directeur général de l'établissement public industriel et commercial de la Monnaie de Paris, qui était Christophe Beau à l'époque, qui a fait le pari, venant d'être nommé, de rénover cet établissement, de lui préserver ses fonctions industrielles qu'il connaissait, et aussi de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, cette très très vieille institution, qui est une des plus vieilles institutions et les plus vieilles entreprises de France, puisqu'elle est fondée quelque part à la fin du Xe siècle, même si elle ne prend pas tout de suite cette forme, eh bien, c'est un des éléments régaliens typiques. La monnaie, la justice et la défense sont les trois piliers régaliens de l'État. Donc, c'est un élément important, et ce site, ce grand site, 30 000 mètres carrés de surface, en plein Paris, en plein cœur du 6e arrondissement, donc dans une emprise évidemment très, très prisée, eh bien, était à l'époque sujet à quelques réflexions de quelques membres éclairés de l'administration qui se disaient peut-être pourrait-on le vendre purement et simplement, sachant que depuis 1976, une entreprise, une manufacture, une usine, appelons-la comme ça, une usine avait été construite non loin de Bordeaux, à Pessac, pour produire les monnaies d'utilisation courante. Et cette usine, qui est un très beau bâtiment, qui a d'ailleurs reçu le label Patrimoine moderne 20e siècle, que je vous conseille d'aller visiter au moins à travers l'Internet, eh bien, c'était un très beau bâtiment, un bâtiment très fonctionnaliste, une expression quasi parfaite de la réponse au programme, avec une architecture moderne très inspirée et très forte, qui est parvenue jusqu'à nous et qui suffisait à remplir les missions, en tout cas, de fabrication de monnaie courante. Était conservée à ce jour, dans ce site du Quai de Conti, était conservée la fabrication des médailles, des monnaies d'exception, des monnaies d'or, d'argent, des médailles, d'un certain nombre d'éléments, également même de certains éléments liés au travail de la fonte de métal. Et donc, finalement, le bâtiment était devenu beaucoup trop grand pour l'activité qu'il abritait.
Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est d'abord parce qu'on a 2 heures à passer ensemble et c'est un beau et grand sujet. Et je pense que quand on doit faire un projet d'architecture sur un site comme celui-là, il faut s'imprégner de l'histoire, y compris quand il s'agit de mettre en œuvre un projet de muséographie et de scénographie. Et évidemment, rassurez-vous, je vais y arriver. Mais c'est un premier point qui me semble important. Alors, la monnaie, elle a toujours été liée à l'architecture d'une certaine manière. Et ici, vous avez une monnaie qui a été frappée ou battue, selon les termes, à l'époque de Philippe Auguste, c'est-à-dire au XIIe siècle. Et sur cette pièce de monnaie, eh bien, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez le plan avec un fragment d'élévation, si je peux dire. Alors, le plan du château du Louvre, hein, qui était un bâtiment avec 4 tours aux angles et un donjon central. Et vous remarquez tout de suite finalement les liens très anciens qui unissent monnaie et architecture. Et il n'y a pas que sur les billets de banque de la Banque européenne que l'on peut trouver l'architecture romane, l'architecture gothique et autres. Eh bien, sur les pièces de Philippe Auguste, eh bien, il faisait de l'architecture un emblème de son pouvoir et finalement un élément de circulation monétaire. Donc, vous avez ici une monnaie, et la monnaie, comme chacun sait, en tout cas depuis une certaine période, c'est un cercle, un rond de métal qui est frappé dans l'épaisseur de son relief, de manière à lui donner du relief pour qu'on puisse reconnaître cette monnaie. Je ne vais pas non plus faire un cours sur la monnaie, j'en suis pas capable, parce que c'est un domaine où les numismates rivalisent de connaissances et d'expertise, mais il y a évidemment toutes sortes de monnaies, de toutes sortes de diamètres, de toutes sortes de compositions et d'alliages, et tout cela nous ramène à l'antiquité la plus lointaine, en réalité, et donc c'est un monde que l'univers monétaire, dont on voit bien d'ailleurs aujourd'hui qu'il est un peu en train de toucher ses limites à travers l'utilisation des monnaies, moyens de paiement contemporains, les cartes bleues, mais aussi avec la crise du Covid, le non-contact, le sans-contact. Donc tout ça, évidemment, peut-être que ce projet a annoncé, sans le savoir, la fin de l'utilisation courante de la monnaie, je ne le sais pas encore, mais en tout cas, il s'inscrivait dans un moment très particulier, un moment de préservation d'un patrimoine immobilier appartenant à l'État, avec la nécessité, pour conserver ce bâtiment dans le patrimoine de l'État, eh bien d'accueillir d'autres types d'activités que celles pour lesquelles il avait été conçu initialement. Alors ici, vous avez un magnifique tableau de Pierre-Antoine de Machy, qui est conservé d'ailleurs à la Monnaie de Paris et qui est présenté dans les espaces d'exposition. Et vous voyez la perception qu'avaient les contemporains de la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française, à quoi ressemblait la scène. Alors c'est assez instructif, hein, on voit tout de suite le palais du Louvre en face, les Tuileries, et puis on voit le bâtiment de la Monnaie de Paris qui est construit, qui avant de s'appeler la Monnaie de Paris s'appelait l'Hôtel des Monnaies, et qui est construit au début des années 1770 par Jacques Denis Antoine. C'est un architecte peu connu mais très important. C'est un architecte qui était un des meilleurs constructeurs, un des meilleurs connaisseurs de la construction de son temps, ce qui lui a valu d'ailleurs de mener des expertises, y compris dans un moment assez difficile où la façade du palais de justice, qui avait commencé d'être construite sur l'île de la Cité, avait commencé à déverser et menaçait de s'effondrer, et qu'il avait été appelé à la rescousse, si je puis dire, par le roi, pour expertiser et dire que fallait-il faire pour empêcher que cela ne se dégrade davantage. Il se trouve, ce Jacques-Denis Antoine, appelé à proposer, à répondre à un concours, hein, comme ça se fait encore aujourd'hui. Le roi décide de réunir tous les établissements de frappe monétaire à Paris, le roi Louis XV. Et à l'époque, donc au XVIIIe siècle, eh bien, il y avait la monnaie à Strasbourg, il y avait la monnaie à Bordeaux, il y avait la monnaie à Lille, il y avait la monnaie à Rennes. Il y avait des monnaies un peu dans toutes les régions de France, qu'on n'appelait pas des régions, mais plutôt des provinces. Et il y avait donc une multiplicité d'établissements. C'est à peu près à la même époque où les salines royales d'Arc-et-Senans sont construites. On a là un certain nombre de grands bâtiments, de bâtiments qu'on peut qualifier d'industriels parce qu'ils répondent à ce genre de pratiques ou de pratiques naissantes. Et c'est donc l'ambition du roi est de regrouper toute la production monétaire de manière à l'uniformiser, la standardiser totalement, parce que vous imaginez bien que s'il y avait des lieux de fabrication différents, il y avait des productions qui pouvaient varier d'un établissement à l'autre. Donc l'ambition est de tout regrouper, le centralisme français, de tout regrouper et de créer un bâtiment
pour accueillir les monnayeurs, ceux qui fabriquent les monnaies. Ce bâtiment, ce choix se fera sur la base d'un concours, d'ailleurs, dans lequel Étienne-Louis Boulay, un des plus grands penseurs de l'architecture de la fin du XVIIIe siècle et de l'architecture révolutionnaire, dite révolutionnaire, fera partie. Finalement, c'est Jacques-Denis Antoine à qui sera confiée la mission de construire la Monnaie de Paris, la Monnaie, l'hôtel de la Monnaie. Et c'est très important parce que du coup, c'est un excellent connaisseur de la construction, un excellent bâtisseur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aussi a intégré complètement tout l'art de la distribution tel que le maîtrisait Jacques-François Blondel et dont l'art de la distribution, on disait que c'était une des caractéristiques de l'architecture à la française avec l'art de construire et notamment ce qu'on appelle la stéréotomie, c'est-à-dire l'art de la taille de pierre. Donc, ce bâtiment l'on peut voir sur le front de scène avec cette façade assez austère, assez rigide, assez très 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 régulière et peu accueillante d'une certaine façon. Ce bâtiment est un conservatoire de toute une série de manières de mettre en œuvre la pierre pour faire des voûtes plates, des voûtes appareillées, des voûtes en quart, des voûtes en plein cintre. Tout un répertoire de la stéréotomie dont on trouve exprimé dans le cadre de ce bâtiment. L'architecture est néoclassique, évidemment, c'est l'époque. Et puis le bâtiment se décompose en deux grands ensembles, un palais sur le quai qui accueille évidemment les fonctions de représentation, mais aussi le directeur de la Monnaie, qui sera d'ailleurs à un moment donné Condorcet, et pour accueillir derrière, dans l'autre ensemble, ce qu'on appelle la manufacture, des corps de bâtiment beaucoup plus bas qui, eux, s'articulent avec le tracé de la parcelle. Alors, je mets ces deux documents parce que c'est très intéressant de constater que derrière cette apparente rigidité, régularité absolue, on retirerait les éléments de modèle nature que l'on peut lire une sorte de barre comme on a produit les années 60, parfaitement régulière, avec des niveaux superposés. Et puis quand on creuse, quand on coupe, puisque la coupe c'est le privilège de l'architecte, eh bien on découvre un espace extrêmement sophistiqué, très différencié, avec d'abord des hauteurs d'étages différenciées, des grands étages, des petits étages, que vous retrouvez ici ou que vous retrouvez là, grand étage, petit étage, et puis des volumes absolument incroyable qui constitue la séquence d'entrée, la séquence la plus impressionnante, le vestibule d'entrée avant que l'on pénètre dans la cour d'honneur. Et évidemment, vous voyez là que Jacques-Denis Antoine ménage des niveaux qui font deux niveaux courants, d'autres qui en font trois, voire quatre. Donc, il creuse dans cette matière et il organise un espace très complexe derrière cette apparente simplicité et régularité. Alors ça, c'est un petit préambule aussi pour dire que cette architecture classique, elle est souvent méconnue ou peu insuffisamment appréciée. En réalité, elle nous réserve toutes sortes de surprises, de complexité spatiale interne, avec évidemment, c'est très en vogue à l'époque, le jeu des lumières zénithales, les lumières zénithales qui tombent dans des volumes qui vont faire 15 ou 20 mètres de haut, mais aussi le jeu des lumières qui traversent complètement le bâtiment, avec des pièces qui occupent toute l'épaisseur du bâtiment. Donc, une architecture d'une très, très, très grande, d'un très grand brio, une architecture totalement maîtrisée et assez impressionnante. Voilà, en contre-plongée, la vue de l'escalier d'honneur, qui est un des plus beaux escaliers de Paris, avec un escalier dans un système à l'impérial, c'est-à-dire une première volée et deux volées ensuite. Donc, un dispositif, d'ailleurs, qui inspirera Garnier quand il réfléchira à le grand escalier d'honneur de l'Opéra de Paris. En tout cas, il cherche à retrouver cette espèce de volumétrie. Et puis, vous voyez au passage, tout ceci est en pierre. C'est une architecture de pierre en totalité. Sauf, mais il faut être prêt pour s'en rendre compte, sauf cette voûte qui est peinte et qui est finalement une sorte de voûte en trompe-l'œil pour toutes sortes de raisons, dans les détails desquels je ne rentrerai pas. Mais tout le reste, vous voyez, c'est un travail de taille de pierre d'un niveau et d'une élégance absolument remarquables et qui témoigne du talent et des compétences de Jacques-Denis Antoine. Un plan, alors, un bâtiment assez impressionnant, parce que c'est un bâtiment dont on conserve les archives. Les archives de la construction
de la monnaie de Paris sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Il y a plus d'un millier de dessins qui ont été conservés, qui ont été donnés par Jacques-Denis Antoine. Et ce millier de dessins, j'ai choisi de vous en montrer un, je ne vais pas vous en montrer trop, mais voilà le plan de fondation. Le plan de fondation du bâtiment. Les fondations, c'est ce qui est le plus important dans la construction d'un bâtiment, si on veut qu'il ait une certaine pérennité. Et Jacques-Denis Antoine y accorde un soin absolument méticuleux, pour ne pas dire maniaque. Je ne vous présente pas de coupe, d'attachement. Le choix de la pierre selon la position, selon la hauteur dans le niveau de fondation est détaillé à l'extrême. C'est-à-dire, c'est d'abord un constructeur. C'est quelqu'un qui construit, qui dessine, et tous les choix sont soigneusement faits. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est intéressant, c'est un peu comme une radiographie finalement. Parce que le plan des fondations, c'est l'expression ici en l'occurrence du plan de l'ensemble du bâtiment. Vous voyez ici le vestibule, je vous ai montré cette maquette coupe tout à l'heure. On rentre ici une grande cour d'honneur, une cour royale qui doit pouvoir accueillir le roi. Deux cours latérales, l'une qui s'appelle la cour des remises pour accueillir les voitures de l'époque et les chevaux, et l'autre qui s'appellera la cour de la Méridienne parce que le méridien de Paris y passe. Et puis dans l'axe principal, l'axe majeur, j'ai envie de dire, eh bien, ce n'est pas une chapelle, contrairement au fait que ce soit une manufacture royale, c'est le lieu où vont être frappées les monnaies. Et c'est très très intéressant parce que ça nous explique pourquoi nous sommes à l'époque des Lumières, c'est que la chapelle, elle est là. Elle est reléguée sur un côté. Elle ne se voit pas de l'extérieur, elle n'est pas lisible de l'extérieur, c'est simplement un volume qui se développe sur quatre niveaux et qui a un puits de lumière zénital. Mais ici, on va avoir les monnayeurs qui vont être installés au cœur du bâtiment, à l'endroit le plus important du bâtiment, pour bien signifier le rôle et l'usage de ce bâtiment. Et puis ensuite, eh bien, on a tout un système de cours qui s'organise en fait autour du process de fabrication des monnaies et des médailles tel qu'il est pratiqué au XVIIIe siècle. Tout ça pour dire que ce plan n'est pas le résultat d'une élucubration d'architecte, d'un jeu avec des géométries pour se faire plaisir. Il est la combinaison de deux choses. Un parcellaire qui est donné à Jacques-Denis Antoine ainsi qu'à ses concurrents pour implanter la monnaie. Et ensuite, la mise en adéquation avec ce parcellaire d'un process de fabrication, tout ceci retranscrit à travers une géométrie classique qui fonctionne par des systèmes d'axialité, de symétrie réelle ou de symétrie feinte, et qui donne lieu ensuite, eh bien, à ce que vous avez ici sous les yeux, ce plan de fondation qui vous montre que sur les fondations, on ne lésine pas et on met les moyens nécessaires à ce que le bâtiment ait une vie longue. Alors, ce concours, moi, j'avais été très, très heureux d'être retenu à ce concours parce qu'il se voulait, par le hasard des choses et des temps et des époques, il se trouvait que quand je travaillais dans une lointaine époque à l'Institut français d'architecture auprès de Bruno Fortier sur ce qu'on appelait l'Atlas de Vassereau et Bélanger pour constituer un livre qui racontait l'histoire de la transformation de Paris depuis le 18e jusqu'au 20e siècle, eh bien, j'avais été amené à travailler sur ce plan du quartier dit de la Monnaie, où vous trouvez ici l'Institut de France et ici la Monnaie, l'hôtel de la Monnaie. Alors, il n'y a jamais de hasard, hein, je ne crois pas du tout au hasard, je pense qu'il n'y a que des circonstances et des situations. Et ce concours, quand j'ai été retenu, je me rappelais évidemment, ça c'est un plan que j'avais réalisé avec un Rotring, vous savez, avec ses outils, c'était avant l'informatique. Et ce plan, je m'en rappelais très bien parce qu'on y voit l'hôtel des monnaies réalisé par Jacques-Denis Antoine, on y voit le collège des quatre nations qui s'appelle aujourd'hui l'Institut de France conçu par Levaux. Et puis, on y voit, entre les deux, quelques bâtiments qui viennent s'accoler ici de manière un peu désordonnée. Et puis, on y voit surtout, là, si vous suivez la petite flèche ou la petite main, un trait noir épais avec des demi-cercles. Eh bien, c'est l'enceinte de Philippe Auguste. L'enceinte de Philippe Auguste qui trace un trait. Nous sommes ici dans l'intramuros, ici dans l'extramuros. C'est le Paris du XIIe siècle. Et le Paris du XIIe siècle, eh bien, vous en avez ici le tracé de la limite fortifiée, construite en dur sur plusieurs
mètres d'épaisseur avec un fossé qui se trouvait devant. Et donc, ce que vous remarquez, c'est que l'hôtel des Monnaies se trouve placé à l'intérieur de l'intramuros du XIIe siècle et que son emprise va jusqu'à ce mur. Jusqu'à ce mur, et que entre l'hôtel de la Monnaie et l'Institut de France, qu'est-ce qui se trouve ici? Un petit hôtel particulier qui a été construit par Jules Ardoin-Mansart. C'est une de ses premières œuvres qui le fera reconnaître ou repérer, on n'utilisait sûrement pas ce terme-là, par Louis XIV. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que Jacques-Denis Antoine, évidemment, ne va pas raser ce petit hôtel particulier. Il va le conserver. Par contre, il va raser un hôtel qui préexistait, qui était l'hôtel de Gondi, sur le quai. À son corps défendant, on a plusieurs esquisses. Au début, il en conserve des bouts, puis finalement, il finit par tout supprimer parce qu'il a ce process industriel à installer. Mais par contre, ici, on a un bâtiment auquel il ne touchera pas. Alors, quand on fait un concours, on visite les lieux. Et quand on visite les lieux, il y a des images qui vous frappent. Et ce qui vous frappe, sans faire de mauvais jeu de mots, sachant qu'on frappe la monnaie, ce qui vous frappe, c'est la présence, l'omniprésence dans ce bâtiment totalement minéral de pierre bâtie, c'est l'omniprésence du métal. Ici, c'est ce qu'on appelle des flancs. Qu'est-ce que c'est qu'un flanc? C'est un rond de métal d'une épaisseur et d'une largeur variable qui va être frappé ou battu pour devenir monnaie ou médaille. Et on a ici des seaux en métal également, dans lesquels on a des flancs qui sont avant d'être battus. Et on a aussi, voilà, ça c'est une image que, chère à mon cœur, on a des bennes où on trouve des déchets métalliques. Ce ne sont pas des cotillons de la Nouvel An, ce sont des déchets métalliques, d'ailleurs extrêmement coupants, de toutes sortes de métaux différents. Et donc, je mets ces deux images juste pour vous exciter votre imaginaire. Quand vous êtes là, retenu à un concours, on visite une usine. En fait, c'est une usine, c'est ça le paradoxe. C'est une usine classée au titre des monuments historiques. C'était une installation classée pour l'environnement, ICPE. Mais c'est en plein Paris, c'est sur la Seine. Et on découvre à l'intérieur du matériel, du métal, de toutes ses formes, un peu partout. Évidemment, la transformation du métal, c'était le petit croquis que j'avais envoyé pour faire le petit visuel, c'est tout de suite quelque chose qui m'a interrogé. C'est-à-dire, je me suis dit, on est dans un lieu de transformation de la matière. On part d'un métal qui a été fondu, qui a été coulé, et puis on va le découper, on va ensuite le frapper, et ensuite on va le ciseler. Je résume en quatre étapes, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Mais on part d'une matière brute, qu'on raffine progressivement jusqu'à en faire quelque chose que l'on conserve précieusement si c'est une médaille ou quelque chose que l'on utilise si c'est une monnaie. Donc, un travail de transformation de la matière qui s'inscrit au cœur du bâtiment et qui est dans les gènes du bâtiment et qui a d'ailleurs fait que le bâtiment lui-même a connu des transformations chaque fois que le process industriel a été amené à évoluer. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'assez extraordinaire parce que quand on n'y est pas rentré auparavant, puisque c'était à l'époque très difficile d'y pénétrer, parce que c'est un lieu qui doit rester sécur, si je puis dire, parce qu'il y a des métaux précieux qui sont stockés dans ces sous-sols, parce qu'il y a des monnaies et des médailles. Et donc, quand on a la chance d'y pénétrer, comme on l'a fait toute l'équipe d'architectes sélectionnés pour ce concours, eh bien, on découvre cet univers avec tous ces métiers assez incroyables qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Alors, quand on est architecte, eh bien, en général, on essaie quand on réfléchit, on essaie de faire des bouts de croquis, des endroits, des choses sur lesquelles on note des idées. Alors, vous voyez là, j'en montrerai quelques-uns au cours de cette présentation. Moi, évidemment, ça me parle d'une citadelle, d'un socle, d'un soupassement, comme un mur d'escarpe. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un bâtiment qui est conçu pour être impénétrable. Il est conçu pour être impénétrable parce que, à l'époque d'ailleurs de Louis XV, il est gardé militairement par des gardes suisses. On trouve à l'intérieur du bâtiment des râteliers pour mettre des fusils. Donc, c'est un bâtiment qui doit être inexpugnable et ce sera le cas. Aucune des révolutions ne verra des révolutionnaires arriver à pénétrer à l'intérieur du bâtiment, pas plus la Révolution française initiale que 1830 ou 1848, pas plus que les événements de 1870, pas plus que 1968. Enfin, toujours est-il que c'est un lieu qui est clos,
qui est très fermé. Quand vous passez le long du quai, vous remarquez que les fenêtres sont très hautes, qu'elles sont toutes munies de grilles. En fait, c'est une véritable citadelle, une véritable forteresse dans laquelle on ne doit pas pouvoir entrer. Et pourquoi je dis cela ? Parce que un des trois objectifs que nous annonce le président au moment où il lance le concours et il reçoit les équipes, c'est « je veux ouvrir la monnaie de Paris sur la ville ». Il faut que ce soit un lieu où on ait plaisir à passer, on ait plaisir à aller. Et donc, il faut que ce bâtiment, lui, le comparé à Fort Knox, il faut que ce Fort Knox ouvre grand ses portes et qu'on puisse y pénétrer. Donc évidemment, il y a déjà une question architecturale qui se pose entre comment et pourquoi est conçu ce bâtiment initialement et ensuite comment répondre à cette question qui est vitale puisque, comme je vous l'ai expliqué, les personnels de la monnaie qui se trouvent ici à l'intérieur ne sont plus que 300 personnes, là où ils avaient été parfois à une époque plus de 1000 personnes, puisqu'une partie de l'activité a été délocalisée près de Bordeaux. Et donc, évidemment, beaucoup d'espaces vides et donc des potentialités de nouveaux usages. Donc, cette question d'ouverture, c'était une question évidemment très difficile. Un autre bout d'un carnet de croquis, faire d'une contrainte un parti. Peut-être un peu beaux-arts, cette phrase. Mais en tout cas, c'est quoi cette contrainte ? On peut voir le bâtiment comme une contrainte. Je me rends compte, d'ailleurs, je me suis laissé aller à écrire ceci. Mais on peut voir aussi le bâtiment comme une formidable opportunité à travers sa typologie, son organisation, une manière de répondre assez inhabituelle aux questions qui sont posées. Et tout de suite, l'idée que les échelles d'espace intérieur correspondent à des sortes de petites places comme on pourrait en trouver dans des petits cœurs de ville ou de village, en Italie ou en France d'ailleurs. Ensuite, quelque chose qui me semble tout de suite évident, qui est l'idée qu'il va falloir trouver une place au végétal à l'intérieur de ce bâtiment. Trouver une place au végétal, parce que si vous connaissez un peu les lieux et que vous promenez sur ce quai, il est extrêmement inhospitalier, c'est toujours une sorte de voie rapide d'autoroute à voiture, c'est extrêmement bruyant et on a évidemment envie d'un havre de paix dans cet endroit. Donc l'idée peut-être d'installer un jardin et enfin de rétablir un passage. Alors je vous ai parlé de cette enceinte de Philippe Auguste, elle se trouve ici et sur ce croquis, qu'est-ce que je dessine ? Le fait que ce petit hôtel particulier de Jules Ardoin Mansart, c'est un hôtel typique qui travaille entre cour et jardin. La cour est ici et le jardin est là. Pour les besoins industriels, évidemment, la cour, le jardin, tout a été construit progressivement, tout a été occupé. Mais le petit hôtel restait toujours dans sa gangue, au milieu d'ateliers parmi les plus bricolés et les plus dégradés du site, mais il était toujours là, intact. Et c'est ce qui m'a évidemment frappé aussi lors de la visite. Comme je vous l'avais expliqué, j'avais étudié dans une vie passée ce site et je savais que ce petit hôtel se trouvait là. Et donc, il me semblait que c'était un des enjeux de permettre de révéler la présence d'un édifice intéressant, important, inconnu du public, invisitable, mais surtout d'en faire une opportunité urbaine, c'est-à-dire de pouvoir traverser en passant par la cour puis par le jardin et de relier à la rue Guénégo en arrivant de la passerelle des Arts. Donc, de d'ouvrir, mais pas uniquement en ouvrant les portes, comme nous le proposait le président de manière accueillante, mais aussi en retrouvant des porosités préexistantes dans le bâtiment. Créer un jardin aussi, parce qu'il y avait là, du coup, sur l'espace de jardin, la possibilité de créer un jardin qui serait, dans mon esprit, qui était un jardin contemporain et pas un faux parterre de broderie à l'ancienne, mais un jardin d'aujourd'hui, comme un petit havre de paix. Ensuite, toutes les cours que vous voyez là représentées, finalement, c'est ce bâtiment que vous pourriez considérer comme un grand plein avec des trous qui sont dégagés à des endroits stratégiques, qui d'un seul coup peuvent être reliés les uns avec les autres et constituer un réseau. Donc, les trois objectifs du président, tels qu'il les posait dans sa lettre de concours, c'était ouvrir la monnaie sur la ville, première chose. Deuxième chose, accueillir des activités autres que celles qui sont strictement monétaires et de fait accueillir des activités culturelles et commerciales. Culturelles en étant capable d'accueillir des expositions temporaires et de rétablir un musée d'un type un peu particulier sur lequel je vais aboutir et revenir. Un musée qui serait un musée
c'est pas un musée industriel, c'est pas un musée de beaux-arts, un musée parce qu'il a des collections, la monnaie possède des collections considérables, en centaines de milliers de pièces de monnaie, mais pas uniquement, des meubles, des mobiliers industriels, des peintures, des vitraux, enfin, une accumulation absolument pharaonique et incroyable. Et donc, d'accueillir un espace qui présente ces collections. La particularité de ce point-là, elle est très importante, c'est que il était conseillé, et c'est ce à quoi je me suis appliqué, je vous expliquerai comment ensuite, essayer de parler de l'activité du présent et des collections du passé. Donc ça, c'était une question que t'es posée comme ça, un peu de manière un peu innocente. Et encore plus innocente pour les candidats qui mettaient les pieds dans un univers dont ils ignoraient les méandres et l'organisation administrative. Et puis, les autres activités, eh bien, c'était de se dire qu'ils souhaitaient accueillir un restaurant gastronomique dans cet espace, et puis une brasserie beaucoup plus simple. Donc, accueillir des espaces commerciaux, mais s'agissant d'un restaurant gastronomique un peu qui caractérise un savoir-faire français d'excellence. La Monnaie de Paris fait partie du comité Colbert. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le comité Colbert, c'est un comité qui réunit Sèvres, La Monnaie, toutes les grandes maisons qui fabriquent des choses assez précieuses en France. Et donc, l'idée était aussi une idée d'art culinaire, d'art monétaire, de réunir tout cela. Et puis aussi, sans oublier, de faire une boutique pour la Monnaie de Paris, puisque la boutique ancienne était dans un espace sans doute le pire qui soit dans tout le bâtiment, avec un plafond à 2,30 m, 2,40 m selon les endroits. Donc un endroit très, 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 très peu qualitatif et attirant une clientèle très, très, très réduite, en tout cas une clientèle uniquement de spécialistes et n'attirant personne d'autre. Donc voilà les grandes questions qui nous étaient posées. Et évidemment, un autre croquis qui arrive, qui est un peu plus tardif, parce que quand on commence à travailler sur un projet comme celui-là, beaucoup de questions se posent à la fois, et mettre ces idées en place, c'est un vrai chemin. En même temps, dans un bâtiment comme celui-là, on se perd très vite, mais il faut se perdre pour trouver sa voie, en quelque sorte. Ce bâtiment, c'est un monolithe, c'est un bloc, même si je l'ai décomposé en un palais, une manufacture. On ne sait pas revenir sur ses pas dans un premier temps, tellement le bâtiment est complexe. Et puis, particularité des concours de maîtrise d'œuvre, pour ceux qui ne les ont pas encore pratiqués, on a eu généreusement droit à une visite, on a eu dû pouvoir se promener 2 heures dans le site, 30 000 mètres carrés, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et puis, on a eu généreusement le droit de revenir chaque équipe individuellement, repasser 2-3 heures sur le site. Autant dire que dans un temps aussi court, vous n'avez pas le temps de comprendre et d'analyser la totalité de ce bâtiment et plus encore de l'état dans lequel il vous est proposé. Transformé de manière complète à tous les niveaux, par toutes sortes d'ajouts, par toutes sortes de démolitions, un bâtiment qui semble comme ça dans sa coque de pierre, je dirais, intacte, et qui pourtant a subi des transformations multiples et très nombreuses. Et donc là, un petit plan pour se dire, voilà, ben, il y aurait cette idée de traverser, de pouvoir traverser entre cour et jardin le petit hôtel de Conti, c'est le nom de cet hôtel de Jules Lardoin-Mansart, et puis de rejoindre la rue Guénégaud. Il y a aussi une possibilité qui est de traverser ces trois cours, la cour des remises, la cour des méridiennes et la cour d'honneur. Et puis, il y a aussi tout de suite l'idée qui est de se dire qu'il y a un parcours qui pourrait utiliser la cour de la fonderie et la cour de l'or de manière à organiser tout autour de ce secteur la partie présentation des collections et la partie vue sur les ateliers de production et de fabrication. Donc, comment arriver à articuler l'un à l'autre, une boutique qui tout de suite pour moi doit prendre sa place dans ce grand volume qui se trouve sur la rue Guénégaud, qui a été successivement une écurie, une fonderie, des ateliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une manufacture comme celle-là, les fonctions et les outillages se sont déplacés plusieurs fois. Au moment du concours, il n'y a plus de monnayeur dans l'espace du grand monnayage, on l'appelle comme ça, le grand monnayage.
il y a des expositions temporaires, avec tantôt des expositions de tapis, tantôt des expositions de tableaux, mais il n'y a plus de monnayeurs. Les monnayeurs ont été relégués à des espaces de moindre qualité. Et puis, tout est un petit peu comme ça. Et puis, une question va se poser, j'enjambe une étape, mais elle est importante pour comprendre l'ensemble du dispositif, c'est qu'il y a à l'époque un conflit très fort entre la Monnaie de Paris et l'Institut de France. C'est l'Institut de France qui gagnera et qui va être mis en situation de récupérer ce qu'on appelait la parcelle de l'An 4, qui est une parcelle sur laquelle Marc Barani va construire l'auditorium de France, de l'Institut de France, quelques années plus tard. Et ça avait pour la Monnaie un inconvénient énorme, c'est que c'était une parcelle de 1600 m² dans laquelle se trouvaient réunis des équipements industriels les plus performants. Donc, très vite, à peine j'ai eu gagné le concours, il a fallu tout de suite modifier les contours du programme pour trouver le moyen d'installer à l'intérieur de ce trapèze, eh bien, trouver les moyens d'installer les 1500 m² disparus pour accueillir les machines qui servent à la production. Et petite chose à savoir au passage, s'agissant d'un établissement public du ministère de l'économie et des finances, il doit financer lui-même à 100% le montant des travaux. Il ne touche pas de subvention, évidemment, du ministère de la Culture. Et donc, pendant toute la durée du chantier, la production doit continuer. Donc, je vous laisse imaginer la complexité de l'organisation et du phasage d'un chantier pareil. Évidemment, la production continue parce que ce sont les bénéfices de la maison qui financent le projet. Et donc, on est tout de suite engagé avec ce déplacement de l'outil industriel dans une situation d'une très grande complexité, il faut bien le dire. Et je vais trouver un emplacement dans une sorte de pentagone irrégulier qui était un ancien système d'écurie. Il y avait une petite usine, des petits sheds, des choses qui avaient été construites là. C'est le seul emplacement qui finalement pouvait accueillir un équipement de production contemporain. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça aussi ? C'est parce que pour moi, ça correspond aussi, on est dans un master de scénographie, je ne l'oublie pas, pour moi, je dirais que l'architecture, elle est une et indivisible. C'est-à-dire que quand je vous expose ce projet de manière sous-jacente, vous comprenez que l'architecte va avoir, et son équipe, parce qu'évidemment, on ne fait rien seul et qu'on est une équipe nombreuse à l'agence, à un moment donné, on sait qu'il y a 10 personnes à travailler sur ce sujet, sans compter tous les partenaires, bureaux d'études et autres. Et elle est une et indivisible parce que tout est intriqué l'un dans l'autre dans ce site. Donc, il y a une grande complexité. Il y a des opérations qui doivent s'articuler les unes avec les autres. Et par le fait, on va se trouver amené à la fois démolir, construire, restaurer, aménager et enfin présenter des collections. Donc, des échelles d'intervention qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui nécessitent, je pense, pour qu'il y ait une cohérence et une maîtrise sur un site comme celui-ci dans un temps relativement long, qui nécessitait, me semble-t-il, une unicité. J'ai eu cette chance de pouvoir mener l'ensemble de ces opérations. Au moment du concours, nous répondons avec un muséographe. Finalement, le muséographe, à partir d'un moment donné, abandonnera le bateau parce qu'il n'y croit plus, parce qu'il pense que le projet ne verra jamais le jour et puis parce qu'il s'entend mal avec notre maître d'ouvrage. Mais finalement, les choses se feront et du coup, nous reprendrons ce travail. Enfin, nous ferons un nouveau projet parce que vous savez que dans tous nos domaines, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et donc, il était évidemment hors de question pour moi de reprendre son projet. Donc, je vais faire un autre projet. Et c'est de ce projet-là dont je vais vous parler. Et c'est un projet qui va articuler l'espace architectural, sa transformation, avec la mise en place d'un parcours, d'une scénographie et d'une muséographie. Vous comprenez qu'on est on n'est pas dans une white box où on vient poser des œuvres d'art, on est dans un monument qui présente une part sédimentaire finalement plus importante qu'on ne pourrait l'imaginer. Et puis, on est dans un monument historique, accessoirement, qui est contrôlé par les services du ministère de la Culture, qui pose toutes sortes de questions sur ce que l'on peut y faire ou ne pas y faire, et qui vont évidemment nous amener à nous poser moult questions.
Alors, j'ai pris une petite phrase de André Chastel comme étendard au moment de ce concours parce qu'elle m'a semblé tellement répondre à la question qui est posée. Cette phrase est très belle et c'est dans une interview au Monde que André Chastel répond la chose suivante. Relier l'œuvre au lieu, l'architecture au site et le site au vivant. C'est relier l'œuvre au lieu. On peut voir l'œuvre comme étant le bâtiment. Le lieu, c'est la scène, l'enceinte de Philippe Auguste, un bras de la scène qui pourrait passer aujourd'hui entre la Monnaie et l'Institut, et puis l'architecture au site, je viens d'en parler, et le site au vivant, parce qu'il y a toujours une vie, il y a toujours une activité, ça n'est pas un lieu muséal, ça doit demeurer un lieu de production. Et là, c'est tout à fait particulier, parce qu'on est dans un lieu qui produit et qui cherche à faire connaître ses savoir-faire, et qui, au passage, veut présenter ses collections pour montrer le lien qui existe entre ses savoir-faire les plus anciens, ses productions actuelles, et pour replacer tout ça dans un monde vivant, en réalité, en conservant les métiers que sont les graveurs, les ciseleurs, les patineurs, les fondeurs, et ainsi de suite. Donc, toute une palette de métiers assez rares, en petits effectifs, mais qui permettent de faire des savoir-faire assez incroyables. De réunir des savoir-faire assez incroyables. Ici, c'était un des panneaux du concours. Hein, donc, voilà, vous avez un des panneaux de concours. Nous, on avait reçu le numéro 5. Donc, on était l'équipe 5 de Métamorphose sur 7. Et j'avais mis cette phrase parce qu'elle me semblait vraiment extraordinaire. J'avais représenté cette enceinte de Philippe Auguste et j'avais montré le petit hôtel de Jules Lardoy-Mansart entre cour et jardin en proposant avec le paysagiste David Besson-Girard un jardin contemporain qui viendrait prendre place à cet emplacement. Et puis, vous avez différentes couleurs. Vous avez de l'or, je dirais, c'est des espaces muséaux. Du rose, ce sont des espaces plutôt liés à des activités commerciales. Le projet va évoluer. Initialement, sur cette cour, devaient prendre place des boutiques. Il n'y a aujourd'hui aucune boutique à cet emplacement. Et puis, en gris, les espaces industriels. Et ce bâtiment dont je vous ai parlé, il prend place ici, derrière un mur qu'on peut vraiment appeler un mur de rempart, qui ne laissait pas apparaître d'ailleurs les petites constructions qui se trouvaient derrière et qui avaient déjà connu des transformations à 3 reprises, avec des constructions de moins bonne qualité et de moins grand intérêt qu'ailleurs, pas en pierre d'ailleurs, et qui avaient déjà connu 3 projets successifs. Voilà, alors un autre élément très important sur un autre panneau, essayer de comprendre comment on ouvre le site sur la ville. Cette axonométrie, c'était le but, c'était de montrer que de la passerelle des arts, je peux traverser, je peux arriver devant le palais de l'Institut et je peux circuler et déboucher sur la rue Guénégo. Qu'ensuite, je peux aussi me promener sur les quais, remonter, traverser, rentrer dans la cour d'honneur, traverser ou emprunter les cours qu'on appelait les cours des travaux, c'est-à-dire la cour de la fonderie, la cour de l'or, pour innerver le dispositif d'accès aux collections. Et puis enfin, ici, des expositions temporaires qui, évidemment, selon toute logique, devaient prendre place à l'étage noble, dans le bel étage qui donne sur la Seine. Et puis, le choix que j'ai fait à l'époque de proposer que le restaurant gastronomique s'installe de l'autre côté, dans le corps de bâtiment qu'on appelle le palais, pour lui aussi bénéficier de la vue sur la Seine. C'est Guy Savoie qui sera après un appel d'offres avec 2 autres grands chefs, 3 étoiles parisiens qui sera retenu et qui installera son restaurant à cet emplacement. Voilà, donc un éclaté pour essayer de faire comprendre que derrière ce pavé minéral très structuré, très architecturé, on pouvait à l'intérieur superposer, articuler des espaces de différents types de nature accessibles à différents types de publics, c'est-à-dire tirer parti d'une morphologie extrêmement savante constituée d'un système distributif vertical et horizontal qui en fait, peut-être contre toute apparence première, ménageait une infinité de possibilités. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ce système de distribution, je pense que Jacques-Denis Antoine, qui maîtrisait pleinement cet art, avait très tôt compris ou pensé, imaginé que certaines activités allaient être déplacées, qu'il allait falloir les relier et que tout dépend de la qualité du système distributif. Alors, mon projet, finalement, au stade du concours, c'était assez simple, c'était de tirer parti de ce bâtiment
pour répondre aux questions qui étaient posées par le maître d'ouvrage. Certains concurrents, je ne les nommerai pas, mais certains concurrents ont imaginé construire des bâtiments dans les cours. D'autres concurrents, faire un immense sous-sol sous les bâtiments, avec des problématiques évidemment d'inondabilité, enfin bon, toutes sortes de questions. J'ai adopté une attitude beaucoup plus simple, mais en fait beaucoup plus complexe à l'arrivée, qui était de dire travaillons avec le bâtiment, essayons d'en tirer le meilleur parti et jouons de toutes ces possibilités. Évidemment, ça nécessite de complètement s'immerger dans la connaissance de ce bâtiment pour être capable de s'en emparer. Voilà. Et pour cela, à peine après avoir remporté le concours, après avoir longuement bataillé, parce qu'un maître d'ouvrage public, et notamment quand il s'agit du ministère de l'économie et des finances, il ne comprend pas très bien à quoi peut servir une étude préalable patrimoniale. Il vous dit, mais écoutez, vous êtes architecte, vous allez visiter le bâtiment, vous vous débrouillez, ce n'est pas notre problème. Après avoir beaucoup bataillé, le concours est, je remporte le concours en juin 2009, et après avoir beaucoup bataillé, on arrive à obtenir une étude qui va nous permettre d'analyser et de comprendre le bâtiment dans les moindres de ses détails et à travers un énorme fond de plan qui se trouvait à la Bibliothèque nationale, mais qui se trouvait aussi sur place parce que dans le bâtiment, l'essentiel des travaux se déroulait sous la houlette d'un bureau d'études techniques intérieures et bien souvent sans architecte. Mais par contre, ils avaient eu l'intelligence de garder tous les plans qu'ils avaient réalisés. Donc, une étude patrimoniale, je vous en mets, il y a 3 tomes, ça fait 300 pages, donc je vais évidemment passer ça très vite, mais juste pour vous voir, vous montrer une chronologie précise de tous les événements que l'on peut noter pour essayer de comprendre comment ce bâtiment a connu sur lui-même des transformations de 1775 à 2008 et qu'est-ce que l'on peut retirer, qu'est-ce que l'on doit conserver, qu'est-ce qu'il conviendrait de rétablir ou de modifier. C'était évidemment dans ce jeu assez complexe que je souhaitais m'engager. Voilà une restitution d'une série d'axonométries qui montre les transformations. Alors, le paradoxe d'ailleurs de ce projet, c'est que Jacques-Denis Antoine va finir ses jours dans ce bâtiment et qu'à peine il est livré, on lui demande, vous voyez, en 1775, un ajout d'un corps de bâtiment parce qu'il n'y a déjà plus la place. Ou entre 1775 et 1801, il est toujours en charge du projet, il est même logé sur place, l'anecdote est assez drôle. L'ancien régime n'a jamais fini de lui payer ses honoraires, et finalement, comme compensation, on lui proposera d'habiter sur place. Ce n'est pas inintéressant, sans doute, mais il va être amené, en tant qu'architecte du lieu, à continuer de transformer les lieux et à construire des nouveaux bâtiments. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'ensuite les transformations qui vont se faire dans les époques suivantes vont prolonger et poursuivre cette scène. Alors, je vous en extrais un exemple pour vous montrer le travail que l'on a mené. Et je dis « on » parce que on est une équipe, évidemment. Et où on prend, par exemple, cet endroit qu'on appelle les moulins et le laminage. La première énergie qui est utilisée dans ce bâtiment, c'est celle du cheval. Ensuite, après le cheval, il y aura la vapeur. Après la vapeur, il y aura l'électricité. Et comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, puisque vous êtes déjà toutes et tous des architectes, et pour un certain nombre d'entre vous, vous pratiquez, il n'y a pas grand-chose de plus destructif que des réseaux de fluides. Alors, les chevaux, c'est quand même un peu moins destructif, mais dès qu'arrive la vapeur, les chaudières, et qu'ensuite passe l'électricité, voire la pression, les pneumatiques et autres, on fait des trous partout dans un bâtiment pour cela. Donc, voilà le premier dispositif. Voilà le premier dispositif. Vous voyez ces moulins que font tourner des chevaux. Et ces moulins que font tourner des chevaux produisent de l'énergie qui est transférée à l'étage du dessus et qui est utilisée pour activer des laminoirs. Donc, vous voyez d'un seul coup comment l'énergie, le transfert de l'énergie, en quelque sorte, on peut presque suivre l'énergie dans le bâtiment, comment elle circule, comment elle se disperse, comment elle est reprise. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs toujours la même chose et c'est toujours la même nécessité. Alors voilà, la voûte des moulins. Alors, Jacques-Denis Antoine est un spécialiste des voûtes plates, des voûtes en briques, des voûtes coupe-feu, des voûtes en briques plâtrées. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux conditions et aux problématiques techniques. Et vous voyez des dessins du 19e qui montrent des transformations, une transformation énorme qui va voir disparaître un niveau de plancher pour être remplacé par un ouvrage
métallique. Donc, le code rouge et noir que j'utilise, vous voyez l'ancien système des moulins qui était un système de charpente bois qui est remplacé par une charpente métallique. Tout le reste, donc, tout ceci est démoli. Vous voyez qu'au passage, on creuse des galeries souterraines pour transférer, vous voyez sur cette image, de l'énergie par des courroies de transmission à des machines qui se trouvent à rez-de-chaussée. Ce bâtiment est un réceptacle de machines. Alors, il est exceptionnel de l'extérieur, il est majestueux, c'est un pouvoir régalien. Mais à l'intérieur, c'est une coque dans laquelle on installe des machines, dans laquelle on fait circuler de l'énergie et qui est utilitaire, qui produit de la monnaie, quelque chose de vital pour un État. Donc, des transformations successives. Ensuite, on va percer un plafond, on va chercher à récupérer de la lumière zénitale. Je passe vite. Voilà une vue ancienne. Et puis, ça continue. On va démolir les colonnettes de fonte. On va passer à autre chose. On va installer un plancher dans les années 70 pour faire un premier musée monétaire qui disparaîtra. Et on va même jusqu'à faire des faux balustres. Alors ça, petite anecdote, les monuments historiques me disaient « Vous n'avez pas le droit de disposer cet escalier. Il est 19e. » Eh bien, ils avaient tort. Et fort heureusement, on avait toutes les pièces d'archives qui était conservé au bureau d'études et qui montrait que tout ça avait été fondu dans les années 70, si ma mémoire est bonne, et que tout ça, c'était du faux, du toc, et que ça n'avait aucune dimension historique matérielle. Alors, c'est très important parce que de pouvoir amener une démonstration comme celle-là, ça vous ouvre des portes que sinon vous ne pourrez jamais ouvrir. Donc, de même, certaines verrières qui continuaient d'exister, qui certains attribuent à Eiffel, hein, ou près de Corriche, donc toutes les verrières, c'est forcément du Eiffel, certaines verrières dataient des années 70 exactement, étaient faites avec des gros profilés assez médiocres du commerce, ça n'avait aucun intérêt architecturalement. Donc, un travail d'analyse, de démonstration. Alors, vous voyez, finalement, ils avaient fait un petit auditorium, ils avaient fait un trou là, ils avaient rajouté des escaliers, ils avaient fait du faux. La fausse maçonnerie traditionnelle aussi, parce que ça faisait mieux, ça faisait plus cohérent. Donc, un bâtiment qui, quand vous le visitez la première fois, bah vous dites ça doit être vrai, ça doit être un arc d'origine, il n'a jamais existé auparavant. Bon, là, vous voyez que c'est des années 70, mais tout est comme ça. Donc, un sujet assez complexe dans lequel il va falloir travailler pour présenter les collections, aménager un parcours et arriver à donner de la cohérence à tout ça, de la cohérence à l'échelle architecturale, jusqu'au détail. Une jolie photographie de Benjamin Shelley, un photographe qui a travaillé sur le site pendant la durée du chantier. Je ne vous montrerai pas tellement de photos de chantier parce que sinon la conférence devrait durer 4 heures. Mais une jolie photo, vous voyez au loin la silhouette de la tour Montparnasse, évidemment, reconnaissable entre toutes. Et vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure, la manufacture. Des corps de bâtiments à rez-de-chaussée plus un étage et comble, très bas, volontairement séparés par aussi des systèmes de cours pour des problématiques d'incendie. Chaque cours à l'époque possédait des puits qui n'existent plus, qui ont été écrétés assez tôt. Mais en tout cas, un dispositif évidemment assez impressionnant. Une coupe, à une époque, au moment du concours, j'imagine couvrir d'une nouvelle verrière une de ces cours. Finalement, cette verrière ne se fera pas. Alors, je dis ça aussi au passage parce que un projet comme celui-là, quand il dure, quand il rencontre toutes sortes de questionnements, c'est un projet qui évolue. Et donc, c'est un projet sur lequel vous n'arrêtez jamais de réfléchir. Ce n'est pas un geste que l'on fait une fois pour toutes, et puis ça y est, quoi, ça roule. Non, c'est du quotidien, ça ne s'arrête jamais. Il y a sans cesse des découvertes, des problématiques nouvelles. Donc, je vous montre des documents qui ne sont pas tous cohérents les uns avec les autres parce qu'ils n'ont pas tous été produits au même moment. En tout cas, une grande coupe transversale, intéressante parce qu'elle permettait de montrer le grand monnayage. Les deux cours qui jouxtaient, qui ont été couvertes de verrières très tôt au 19e parce qu'il n'y avait pas assez de place. Les corps de bâtiments latéraux. Ici, l'atelier central d'outillage et de gravure, qui est ce petit bâtiment industriel qu'on va être amené à construire pour accueillir les activités qui ont été déportées depuis l'Institut jusqu'à de nouveau l'intérieur de la monnaie. Et puis ici, de l'autre côté, la boutique de la monnaie qui s'inscrit dans un grand volume qui n'a jamais été comme ça auparavant parce qu'avant, il y avait un plancher intermédiaire qui le séparait en deux. Donc, un volume qui a été transformé à un moment donné. Alors, là aussi, que ce soit bien clair, le projet ne vise pas à restaurer à l'identique ou à restituer des parties prises disparues. Ce n'était pas du tout l'attitude que je pouvais prendre ni que je souhaitais prendre.
que je pouvais parce qu'il y avait des besoins auxquels il fallait répondre, et puis que je souhaitais parce que, pour moi, l'histoire, elle se déroule. On ne retourne pas à l'État 1664 ou l'État 1773. Ça n'a simplement aucun sens. Et en général, c'est totalement impossible à réaliser pour toutes sortes de raisons matérielles, techniques, physiques, simplement parce que tout a changé et que jamais rien n'est exactement comme il a été auparavant. Peu importe. Voilà une grande coupe pour essayer de comprendre tout ça. Et le premier sujet sur lequel on a été amené à travailler, c'est un sujet finalement, entre guillemets, relativement simple, qui était de restaurer ces salons, ou plus exactement, de faire passer les fluides dans ces salons. Alors, quand on fait de la scénographie, de la muséographie, les fluides, c'est comme dans l'architecture, c'est un problème permanent. Évidemment, la grosse goulotte en PVC blanc, noir ou gris, ça fait désordre dans des espaces comme cela. Donc, très tôt, grâce aux documents dont on disposait, grâce à l'analyse technique qu'on a pu mener, on a réfléchi à faire passer tous les réseaux entre les voûtes du vestibule et le dallage. On s'est très vite aperçu qu'on avait au minimum 10 cm de passage et au maximum, au niveau des rames de voûte, évidemment, beaucoup plus. Donc, tout ce sol que vous voyez là a été déposé. Il a été déposé pour permettre de passer tous les réseaux sans qu'il n'y ait aucun réseau visible qui circule dans la périphérie de la pièce. Auparavant, avant le projet, il y avait des réseaux qui circulaient partout de manière parasite. Ici, vous avez une très belle œuvre d'art qui est présentée dans ce grand salon d'honneur qui est le Salon du Pré, qui est cette pièce simple en profondeur qui a des fenêtres des deux côtés et qui fonctionne comme une boîte à lumière. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une coursive, vous voyez qu'il y a des fenêtres à l'étage. Donc, aux heures de la journée, la boîte prend la lumière de manière différente. Et vous voyez ici Aitor Ortiz, qui est un très grand photographe basque qui a fait le plaisir et l'honneur de réaliser les photos, une partie des photos, pas toutes, parce que j'ai mis des photos aussi qui expliquent plus, mais en tout cas là, c'est l'une de ces photos qui présente, qui vous montre la cour d'honneur qui se trouve derrière le bâtiment. Donc, de ce balcon, d'un côté, vous avez vu, d'ici, vous avez vu sur la scène, de là, vous avez vu sur la cour d'honneur. Dans cet étage, vous voyez les deux côtés et vous avez une perception globale du bâtiment. C'est un des rares endroits. Ensuite, une enfilade de pièces, des pièces en enfilade, très classiques, très complexes. Je n'entrerai pas dans le détail sur des dorures, des argentures qui ont disparu, qui ont été peintes, repeintes. Finalement, le parti pris a été de ne pas revenir sur ces éléments. Les spécialistes sont crêpés le chignon pour finalement ne jamais arriver à tomber d'accord. Et c'est ce qui explique cette neutralité. Des plafonds éclairants qui ont été installés, qui ont déjà été démontés. Alors, vous savez aussi peut-être que dans ces domaines de la muséographie, de la scénographie, les échelles de temps ne sont pas tout à fait les mêmes que dans l'architecture. Donc, elles ont été démontées parce que, après que la directrice des programmes culturels ait quitté le navire, une autre directrice des programmes culturels n'a pas trouvé ça adapté. Personnellement, j'y étais un peu interrogatif au départ et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien en réalité, puisque c'est un objet qui est suspendu, qui ne touche aucune des parois et qui permettait de varianter l'intensité lumineuse dans des très très grandes proportions. Bon, ça a été démonté et le pire, je dirais, c'est que depuis, trois présidents plus tard de l'établissement, ce sont les expositions d'art contemporain auxquelles il a été décidé de mettre fin ou en tout cas de mettre temporairement un terme. Donc tout ça, ça crée une grande relativité chez l'architecte ou chez le muséographe scénographe. Il se rend compte que ce que l'on fabrique, ce que l'on produit en ne ménageant pas sa peine, n'a pas toujours une durée de vie extrêmement longue. Voilà des grandes pièces. Alors, tous les parquets ont dû être refaits, tous les parquets étaient absolument dans des états terribles, les parquets Versailles, tous les fluides, la nécessité de les reprendre, doubler des problèmes de présence de plomb dans ces parquets, nous a amené à les refaire intégralement et à permettre de passer tous les fluides et de retrouver des simples plaintes très minimales sur les murs. Refaire tous les volets intérieurs, tous ces éléments qui participent de la qualité de ces espaces, de leurs proportions, sur lesquelles je ne vais pas développer, mais en tout cas, c'est la première étape qui va pouvoir être réalisée. Parce qu'un projet comme ça, ça se phase en étapes successives, parce que comme on est dans ce qu'on appelle un site occupé, il faut que la maison continue de produire et de dégager des bénéfices pendant qu'on fait les travaux. Donc, les espaces d'exposition temporaire, c'est la première chose qu'on peut interrompre
pour y faire des travaux. Et la deuxième chose, ça va être la réalisation de cet atelier central d'outillage et de gravure destiné à accueillir des machines, des matériels et notamment les graveurs, qui est le cœur du dispositif, puisque avant qu'on frappe ou qu'on batte monnaie ou médaille, il y a un graveur qui effectue un travail pour être capable de transformer le flanc que je vous ai montré tout à l'heure en un objet précieux ou un objet utilitaire. Donc, la parcelle de l'an 4 ici, avec l'auditorium qui a installé Marc Barani, notamment en partie sous-sol. Et puis ici, cet espace assez étrange, un pentagone irrégulier qui vient se nicher derrière un mur de clôture, eh bien, c'est l'atelier central d'outillage et de gravure qui serait parti sur 4 niveaux pour réussir à retrouver, pas tout à fait 1500 m², mais quand même 1300 m² au total. Avec des contraintes qui n'ont plus absolument rien à voir, puisque des planchers doivent reprendre 4 tonnes au mètre carré, et que ces planchers sont ce qu'on appelle des planchers fusibles, c'est-à-dire des planchers qu'on doit pouvoir glisser pour passer une machine d'un étage à un autre. Alors, je ne détaillerai pas, on est dans un master de scénographie et non pas d'architecture industrielle, mais c'est d'une complexité assez inouïe. Ça nécessite des fondations absolument démentielles, 198 pieux, pour aller chercher le bon sol, parce que n'oubliez pas, ici, c'est le bras mort de la Seine, c'est la fameuse tour de Nesle qui se trouvait à peu près ici, et vous aviez un bras de la Seine qui s'engageait là, plus exactement, puisque le mur d'enceinte de Philippe Auguste est là, donc il s'engageait à l'extérieur. Voilà, donc une situation très complexe d'un point de vue fondation et qui posait d'éminents problèmes. Alors, pour cette architecture, puisque là, il y avait acte d'architecture, j'ai suivi ce que j'avais mis en place et imaginé dès le concours pour le reste des interventions. Pour moi, les interventions, la question de la matérialité du projet ne se posait pas. Elle était évidente, elle allait de soi. Le projet devait utiliser le métal sous toutes ses formes. La question, évidemment, les équipes réunies dans l'auditorium, le président, son chargé d'opération, nous ont dit « Alors, vous pensez à quoi? Du béton, du bois, du verre ?» D'ailleurs, bizarrement, ils n'ont pas évoqué le métal. Alors que quand on fait ce parcours dans tous ces ateliers, qu'on voit le métal sous toutes ses formes, évidemment, on se dit dans cet univers totalement minéral, comment faire pour parler des métiers et des travaux qui se réalisent mieux qu'en utilisant du métal sous différentes formes. Et pour faire ces flancs, eh bien, on perfore des planches. C'est le paradoxe, c'est que ces panneaux de métal que vous voyez là, qui sont d'ailleurs de métaux différents, ce sont des planches dans lesquelles on emboutit, on découpe un rond de métal d'une épaisseur variable qui va devenir un flanc, et ce flanc ensuite va connaître toutes les étapes de production, de transformation. Autre élément très important, très intéressant dans ces périodes de questionnement sur l'environnement, les ressources et le développement durable, une fois que ce panneau est perforé de la sorte, il est renvoyé en fonderie et on refait un panneau de deux panneaux perforés. Donc, rien n'est perdu, toute la matière est conservée et transformée. Et d'ailleurs, on peut fondre des pièces de monnaie, on peut fondre des canons, on peut fondre des statues pour récupérer le métal. Donc, en tout cas, les planches de métal ont tout de suite constitué pour moi un élément qui me semblait évident quant à la question de l'écriture architecturale. Que faire quand on est dans un monument néoclassique comme celui-là? Comment peut-on avoir l'outrecuidance ou la présomption de se dire qu'on va écrire une architecture, que celle-ci va arriver à dialoguer avec cette maestria? Le mieux est sans doute, je ne dirais pas de s'effacer, mais d'adopter une stratégie qui parle du lieu et de ce qui s'y fabrique. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Voilà un dessin qui vous montre ce corps de bâtiment sur 4 niveaux, un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 niveaux en étage. Et la proposition que j'ai faite, c'est de l'habiller entièrement de ces panneaux métalliques perforés, d'en faire un volume qui peut être entièrement opaque ou s'ouvrir avec ces systèmes de volets. Voilà ce que ça donne, donc une écriture architecturale assez étonnante. Je vous présente volontairement cette photo, parce que quand on voit juste cette photo, ça pourrait être partout et nulle part. On ne voit aucune trace de l'architecture de Jacques-Denis Antoine autour. Là, on se concentre sur comment est réalisé ce bâtiment.
par des panneaux de métal perforés, montés sur une ossature et sur une structure qui ne pouvait être autre qu'en béton armé, parce que vous imaginez bien que quand les planchers reprennent 4 tonnes au mètre carré, c'est nécessaire, d'autant qu'on a aussi des risques d'incendie dans ces lieux-là et que donc la stabilité au feu, les surcharges admissibles nous incitaient à cela. Et donc là, vous avez tout un système de panneaux qui sont pliables et qui permettent de prendre de la lumière. Voilà des ouvriers de la Monnaie qui sortent de cet endroit et vous voyez donc ce jeu finalement très simple qui est réalisé. Et puis, à l'intérieur, on a eu la chance, je dis la chance parce que c'est passionnant, de pouvoir réinstaller des installations industrielles à l'intérieur de ce lieu, mais on a le sens de la tradition et de la conservation à la Monnaie de Paris. Vous voyez que les pupitres en bois sont conservés, il y a toujours un étau en métal ancien qui est là, il y a des lampes que vous connaissez, qu'on aime tous, là, des lampes comme ça, puis il y a des machines plus modernes, et puis il y a des réseaux au plafond qui courent dans tous les sens, et puis finalement les panneaux qu'on imaginait ouvrir, comme il y a un éclairage très puissant à l'intérieur, finalement, préfèrent garder leur tranquillité derrière cet incendie. À l'étage, c'est le lieu des graveurs. Donc, vous avez ici une table de graveurs, c'est une table de métier, c'est un mobilier de métier, c'est très important, parce que dans ces savoir-faire anciens de la Monnaie et de la Médaille, il y a toute une série de meubles qui ont été conçus pour répondre aux besoins. Alors, ça répond d'ailleurs aussi un peu à un meuble de bijoutier, hein, tout simplement, ou d'orfèvre. Donc, vous voyez que c'est taillé, c'est découpé, de manière à ce que le graveur puisse s'engager dans le meuble et avoir ses outils à disposition des deux côtés. Évidemment, l'éclairage naturel, c'est comme pour la peinture, le meilleur éclairage est au nord, certes, mais en fait, aujourd'hui, ils travaillent avec de la lumière artificielle. Donc, on leur a donné, évidemment, des vues, de la lumière, mais en fait, ils sont habitués à un tel niveau de précision parce qu'ils travaillent avec des outils traditionnels, mais ils travaillent aussi avec le numérique. Donc, ce sont ce type de métiers, et c'est assez passionnant. Vous voyez que là, il y a un système binoculaire. Vous voyez que là, il y a en même temps des outils comme il y avait il y a deux siècles. Et puis, vous voyez des médailles qui sont là. Donc, on combine, on mélange différents types de techniques. Et c'est très passionnant parce qu'on voit là la main, le geste de la main, l'intelligence de la main, mais qui va à la rencontre de l'intelligence de la machine. Et ce n'est pas du tout contradictoire. Et d'ailleurs, je ne rentrerai pas non plus dans le détail, mais il y a des choses que l'œil humain avec la main d'un graveur arrive à approcher dans un premier temps ce que n'arriverait pas à faire la machine. Ensuite, la machine arrive à l'interpréter, à le démultiplier. Et donc, il y a une complémentarité qui est assez exceptionnelle. Et voilà donc, en cours de travaux, du coup, une photo du bâtiment de Jacques-Denis Antoine, tout de pierre blonde bâtie, et puis cette écriture architecturale qui parle de ce qui se fabrique à l'intérieur de ce bâtiment. J'ai entendu des gens me dire « Ah oui, vous aimez beaucoup Prouvé ». Non, ça n'a aucun rapport avec Jean Prouvé, parce que ce n'est pas parce qu'on fait des trous dans un panneau métallique qu'on fait du Prouvé, même si j'adore évidemment tout le travail, l'intelligence, le métier de Jean Prouvé, c'est fascinant et on a à peine à lui arriver à la cheville. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout ça le sujet. Là, le sujet, c'était de faire lien, de travailler avec l'ADN de la maison. Et j'avais même rêvé à un moment donné, mais les architectes sont là pour rêver, que ce serait la maison elle-même qui produirait ces panneaux. Et puis, le président m'a dit, vous savez, nous, on doit dégager des bénéfices. J'ai peur que nos ouvriers, nos compagnons mettent plus de temps qu'un outil industriel qui est destiné à faire ces panneaux. Donc, je préfère que ça passe dans les appels d'offres courants. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Le rêve, des fois, doit prendre une autre réalité. Voilà cet atelier que vous voyez installé entre des corps de bâtiments en pierre et puis ici, une transformation des années 30 avec des pavés de verre qui se trouvent juste au premier plan. Donc, un bâtiment neuf qui est, avec les expositions temporaires, le premier temps du projet, de manière à libérer des espaces ou à répondre à des espaces manquants et à pouvoir engager les étapes suivantes. Alors, on va arriver un peu plus proche du cœur du sujet. Je vais un peu accélérer d'ailleurs. Et vous voyez le métal sous toutes ses formes. Vous l'avez vu sous forme de cuivre pour la CO et vous le voyez ici sous forme d'inox. Ici, c'est de l'inox qui est à peine embouti parce qu'évidemment, quand vous découpez, vous avez dans un premier temps le métal qui se déforme et avant qu'il soit découpé parfaitement. Vous le voyez ici découpé de manière à faire des plafonds éclairants sans avoir aucun élément de luminaire suspendu. Et puis, vous le voyez ici. Alors, vous le voyez ici d'abord parce que c'est une sorte de leitmotiv dans l'écriture du projet, mais aussi parce qu'il y a des tas d'endroits qui ont été
vraiment charcutés, il n'y a pas d'autre terme, au cours des époques précédentes. Et que plutôt que de refaire des modénatures de pierre, de passer beaucoup de temps à refaire des choses qui de toute façon sont détruites et sont perdues, et plutôt que de faire du faux, on va dire les choses, eh bien, je me suis dit finalement ce matériau va être l'expression d'une greffe, d'une couture, d'une manière de compléter les éléments en douceur, mais faisant sens avec cette étape de projet, et c'est ce que l'on a fait. Voilà, ici ces cours successives, et vous retrouvez cette déclinaison de ces panneaux, la pierre et le métal, qui sont en dialogue dans le lieu. Alors, pour travailler sur la présentation des collections, je m'étais donné aussi comme objectif ce rapport avec les ateliers. Il n'était pas intrinsèquement demandé au concours. Il était souhaité, mais on comprenait bien que c'était une sorte de vœu pieux. J'ai bénéficié d'une chance, c'est-à-dire qu'une fois le concours gagné, le directeur industriel a annoncé au président qu'il souhaitait repenser le process industriel de son activité. Et ça a été une formidable occasion de travail en commun, de travail itératif. Ça a été très 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 difficile parce que quelqu'un qui a un objectif industriel de production, les questions architecturales, ce n'est pas du tout son problème et ça ne l'intéresse pas. Et même, je dirais, c'est un peu normal et il n'y comprend pas forcément grand-chose. Donc, il vous écoute, il ouvre les yeux ronds, il se demande si on est sur la même planète. Mais, on a réussi à créer un lien et à dialoguer. C'était Michel Lasset à l'époque. Et on a réussi à dialoguer de manière à ce qu'il réfléchisse son redéploiement du process en parallèle de la conception du parcours muséographique, de manière à ce qu'on puisse avoir une articulation entre le regard sur les collections et le regard sur des ateliers. Et ça, évidemment, si le process industriel n'avait pas été modifié et transformé à ce moment-là, ça aurait été rigoureusement impossible, d'où une demande qui était faite dans le cadre du programme de concours, un peu sous forme annexe, si vous pouvez montrer quelque chose qu'on sait faire, ça serait pas mal. Je le fais avec des mots très simples. Voilà, les étapes de fabrication, alors voilà, la monnaie, vous avez toutes sortes de métiers, toutes sortes, ici une lingotière, fond du métal dans ces volumes, ici un graveur, hein, ici on voit une bande de métal qui passe dans un système qui le découpe et qui l'aplanit, ici les modèles en plâtre qui sont faits d'abord avant de travailler sur la monnaie métallique elle-même, ici un patineur, enfin et ainsi de suite, toutes sortes de métiers assez incroyables. Alors on a été amené, parce qu'en fait, bien souvent, et vous le rencontrerez souvent dans les projets que vous serez amené à faire en matière de scénographie et de muséographie, enfin, parfois on a un superbe PSC, un projet scientifique et culturel, tout est nickel, tout est noté. Mais parfois, comme dans ce cas-là, il y a des choses qui ont été préparées, qui sont un peu éparses, mais qui ne sont pas complètement coordonnées. Avec une quantité d'informations absolument incroyable, il faut dire bien des choses assez difficiles à digérer, et donc avec l'équipe, on s'est donné l'objectif d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je ne vais pas développer mes produits, étapes de fabrication, les différents... La monnaie courante, la monnaie frappe spéciale, médailles, jetons, décorations, poinçons de garantie, bijoux fondus, métal. Et ensuite, les étapes, le choix des métaux, la fonte, le laminage, le découpage, le cordonnage, le recuit, le cuivrage, je m'arrête là, le décapage, blanchiment, à ne pas confondre avec des pratiques douteuses des points de vue financiers. On blanchit la monnaie. C'est de là d'ailleurs que vient cette expression. Peser, compter, trier, enfin, ainsi de suite. Donc, toute une série d'étapes. Et pour pouvoir articuler, concevoir la présentation avec des vues sur les ateliers, il était important qu'on comprenne comment les ateliers, le process industriel a été organisé, passant d'une étape à une suivante et ainsi de suite, et comment on allait pouvoir mettre en parallèle des collections ou le monument lui-même, le bâtiment lui-même. Alors, on voit ici des procédés pratiqués aujourd'hui, des procédés pratiqués dans le passé, des procédés utilisés de manière exceptionnelle, ceux qui sont pratiqués à Paris, à Pessac, ceux qui sont externalisés, donc les ateliers qui pourraient être visibles. Et vous voyez que les ateliers qui peuvent être visibles, il peut y avoir le découpage, il peut y avoir la résine, il peut y avoir la frappe, il pourrait y avoir différents procédés de fonderie, des procédés de cisure et de patine. Donc, une fois qu'on a isolé tout ça, avec le directeur industriel, on a pu travailler sur ces sujets.
De l'autre côté, la Anne-Sophie du Royaume Chavannes, qui était qui pilotait la partie muséographique et scénographique, avait réuni l'ensemble des collections qui se trouvaient là, et on a commencé un travail itératif, c'est-à-dire elle a commencé à faire des choix, à organiser ses collections, et nous, moi, je me trouvais placé dans la situation de comment arriver à articuler l'un par rapport à l'autre, tout ça en partant d'un bâtiment qui avait connu de multiples transformations pour arriver à créer, à penser un parcours qui articule d'un côté ce qu'on appelle un ERP, un établissement recevant du public, et de l'autre côté, un équipement industriel soumis au code du travail, avec entre les deux, dans un certain nombre de cas, des vitrages coupe-feu 2 heures. Donc évidemment, une dimension technique assez complexe, mais si on veut donner à voir, il faut régler cette complexité. Et puis ensuite, les étapes de les process de fabrication ont beaucoup évolué. Là où certaines étapes nécessitaient des hauteurs sous plafond de 8 mètres, aujourd'hui, on n'a plus besoin que 2,50 m parce que les process ont changé. Donc, il fallait sans arrêt faire un aller-retour entre les pièces, les étapes, l'enchaînement des étapes du process industriel et des volumes architecturaux que l'on pourrait utiliser. Alors, vous voyez, on s'est créé un outil, et on s'est créé un outil avec le niveau 0, le niveau plus 1, avec un plan, la coupe, le plan et les vues. Les vues sur les ateliers, les vues sur l'architecture. Parce qu'évidemment, l'architecture, elle parle déjà de ces métiers. D'une certaine manière, on peut parler de ce qui s'y est passé, il peut s'y être passé des process de fabrication, et donc évidemment, on peut pas être amnésique de tout cela. Donc là, ce que vous voyez, très simplement, vous voyez un enchaînement d'espaces, un parcours qui va se faire. Ce qui est orange, ce sont des circulations, des distributions verticales, un premier escalier, un deuxième escalier. On va descendre, on retrouve un escalier. Ici, c'est la grande pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, la grande salle en longueur qui abritait les chevaux en rez-de-chaussée et les laminoirs à l'étage dans le projet initial. Et ça va devenir la grande galerie, le lieu de la manufacture où on montre les savoir-faire. Et puis ensuite, une succession d'autres pièces qui se prolongent. Et puis ensuite, la question de ce qui existe et de ce qu'on va réaliser. Les sols, les murs, les plafonds, les lumières. C'est un tout petit bout du travail qui représente des dossiers considérables, mais je voulais vous montrer ça parce que je pense, par exemple, dans le projet que l'on suit avec Adrien Gardère, avec vous, sur la transformation du département des arts de l'islam, eh bien, on a toujours les mêmes questions, des questions de volume disponible, existant, de lumière naturelle, de lumière artificielle, comment on va présenter les œuvres, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas, est-ce qu'on a le recul, pas le recul. Bon, j'ai beaucoup élagué parce que sinon on y serait ce soir jusqu'à minuit, mais j'ai voulu montrer quelques documents aussi pour rassurer certains d'entre vous. Il faut se fabriquer des outils, il faut imaginer des outils qui vont vous permettre d'analyser et puis petit à petit de construire. Alors là, vous voyez, il y a une série de pièces. Bon, dans notre cas, il y a trois ou quatre espaces différents. Et puis ensuite, les problématiques de lumière, l'enjeu de la lumière. Là, c'est Benoît Dezeil, l'éclairagiste, qui a travaillé avec nous, avec Virginie et Nicolas. Et il y avait des endroits où on se disait, il faut immerger. Après, il faut laisser l'imagination. Là, il faut révéler. Donc, quel va être le rôle de la lumière artificielle dans un certain nombre d'espaces? Et dans d'autres, qu'on va réserver à la lumière naturelle, où on va jouer avec l'architecture et avec des vues de depuis la pièce vers l'architecture de l'édifice. Vous voyez, un jeu d'interaction, d'itération assez riche. Et puis, on a rajouté les vues sur les ateliers, les vues sur l'architecture, les thèmes, les objets, les matières, les couleurs et les types de supports. Parce que, évidemment, quand on travaille sur ce genre de sujet, il y a un socleur, il y a un graphiste, il y a une équipe qui s'occupe du multimédia, il y a muséographe, scénographe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille avec vous. C'est une espèce d'équipe qui va développer tout ensemble le processus. Alors, vous voyez, 4 avril 2012. Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Parce que ce bâtiment est très complexe à comprendre, au bout du compte. Eh bien, on commence à faire un schéma en plan, sur plusieurs niveaux pour essayer d'imaginer le parcours et où chaque fois, et il est complexe à comprendre, une fois qu'on l'a compris, il faut qu'on le transmette à notre maître d'ouvrage qui, lui, ne s'y repère pas du tout, du tout, du tout. Et
pas plus que le directeur industriel qui dit, ah oui, là, j'ai un laminoir, là, j'ai deux presses, mais attendez, non, mais dans cette pièce, il n'y a pas de voûte. Ben, si, regardez, il y a des voûtes au plafond. Vous avez éventré les voûtes, vous avez coupé, vous avez mis des poutres en béton, mais avant, il y avait des voûtes, il y avait des piliers, vous avez... Voilà, il y avait une architecture, là, vous ne vous en rappelez plus, mais elle était là. Et tout est comme ça. Bon, un certain nombre de petits croquis, toujours le croquis, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait de plus efficace et de plus rapide que le croquis ? Rien. Si on devait tout faire en numérique, ce serait simplement impossible. Donc, un petit croquis, la possibilité de retrouver un parcours sous une série de voûtes, de trois voûtes, puis de deux passerelles. Comment on travaille sur un avant-corps ? Comment on va créer une circulation qui va relier des espaces ? Comment, depuis cet espace, on va pouvoir donner des vues à rez-de-chaussée sur trois espaces et à l'étage de même sur trois espaces. Ici, on avait des constructions qui avaient été plaquées, qui étaient du faux Jacques-Denis Antoine, fait tantôt du parpaing et tantôt de la brique, avec des modénatures tartinées, assez peu élégantes, assez catastrophiques. Donc, quand on découvre ça, on se dit ben, on peut le recreuser, et on peut à la place mettre un mur rideau, qu'on va vêtir de métal, puisque le thème, c'est le métal, et on va mettre deux passerelles derrière qui vont nous permettre à la fois d'être dedans, dehors, une cour, de regarder une façade, depuis l'intérieur, de regarder des ateliers depuis l'intérieur. Donc, c'est une scénographie architecturale. C'est une scénographie qui travaille avec l'architecture du lieu énormément. Ici, un escalier, évidemment, qui n'est pas aux normes, hein, qui est un escalier de 1770 avec un très beau limon, un très beau garde-corps, pas aux normes, des marches, pas aux normes. Je vous passe, évidemment, toutes les batailles auxquelles vous aurez à mener pour arriver tantôt à vous faire soutenir par la DRAC, tantôt par la BF, pour empêcher le bureau de contrôle ou je ne sais pas qui de vous dire « Vous avez qu'à remettre un autre truc, vous avez qu'à démolir les marches, vous avez, oui, autant démolir le bâtiment pendant qu'on y est. » Excusez-moi, je me fais un peu polémique, mais ça me rappelle des très, très mauvais souvenirs. Mais en tout cas, on va garder cet escalier. Il existe. Donc, on va le garder. On va le faire emprunter au public qui va trouver, évidemment, là, mettre ses pas dans les pas de ses prédécesseurs du 18e. Et puis, on va évidemment installer des systèmes d'ascenseurs parce qu'évidemment, il faut que tout le monde puisse accéder. Voilà. Alors, voilà l'état des espaces avec lesquels il faut composer et penser un projet. C'est-à-dire que c'est quand même assez difficile au départ de retrouver la lecture de l'édifice. Il faut faire un effort. Les archives nous le permettent, des allées répétées sur place également. Et petit à petit, on commence à imaginer ce que pouvait être le lieu auparavant. Vous voyez, là, on retrouve les voûtes au deuxième étage. Vous voyez. Alors, c'est occupé comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir là, on va pouvoir voir la ciselure, la patine à cet endroit-là. Voilà, comment on va articuler ça ? Ça, c'est la grande nef que je vous ai montré tout à l'heure, complètement flinguée par un truc qui se déroule avec un espèce de bout de plancher. Et puis après, il y a un trou. Enfin bon, l'espace a perdu toute sa cohérence. On va lui redonner sa cohérence, mais sans chercher à lui redonner sa cohérence du 18e. Simplement avoir un grand plateau, comme il y avait un grand plateau. On ne va pas reconstruire des moulins parce qu'il n'y a plus de chevaux, mais on va essayer de donner cette cohérence. Ici, on est dans une citerne. C'était un volume rempli d'un système en pierre. Voilà un extrait de l'étude, j'en ai mis un là, destiné à maîtriser l'incendie s'il y avait un incendie. Évidemment, au fil des étapes, tout ça a été complètement démoli pour être remplacé par tout ça. Vous avez vu un peu, c'est pas mal ce qu'on peut faire, hein. Un bout d'ascenseur sur un seul étage, un transstockeur, c'est quelque chose qui transporte notamment des poinçons, des choses très très lourdes, un bout de mezzanine, et puis quand même, la seule chose qui subsiste de cet espace, c'est cette charpente assez, assez jolie dans ce plan. Donc, au moment de cette étude, on se dit, bah, on va installer à nouveau un escalier, on va, dans le volume, installer deux ascenseurs, un ascenseur pour le public, un ascenseur pour l'industrie. L'industrie, c'est rez-de-chaussée premier étage, sous-sol, et le public, c'est rez-de-chaussée premier étage. Donc, vous voyez, une stratégie d'emballement, si je puis dire, pour arriver à installer ces distributions verticales. Ici, la statue de la fortune. Ici, le grand monnayage, qui était devenu un espace de présentation d'exposition temporaire. La volonté du président était de ramener l'activité au cœur du monument et de la ramener dans le grand monnayage. Et ça, c'était formidable. Je me rappellerai toujours en séance de Commission nationale des monuments historiques, on nous a demandé si les monnayeurs allaient avoir des tabliers en cuir et allaient être habillés comme à l'époque. Et le président qui a répondu non, nous ne sommes pas ni Disneyland ni un centre d'attraction. On produit des monnaies et aujourd'hui on ne les produit plus du tout de la manière dont on les produit aujourd'hui. On les produit avec d'énormes machines, mais on a l'intention de ramener ce savoir-faire là
pour les machines, les pièces de collection. Ici, d'autres espaces, vous voyez qu'il y a de la modélisation architecturale partout, mais vous voyez que c'est le cadet des soucis de ceux qui l'occupent, et c'est bien compréhensible, c'est une activité industrielle. Ici, des voûtes avec des pavés de verre, donc des ajouts, voilà, des ateliers, tout ça, des espaces, un peu comme ils le sont. Et au final, une organisation, voir les ateliers, on peut voir l'atelier de la fonderie, on peut voir l'atelier de ciselure et de patine, la gravure, le grand monnayage. Parcourir l'espace, trois escaliers qui font affaire de pivots verticaux pour relier les deux niveaux sur lesquels se répartissent tout ça. Et enfin, les collections. Il y a d'abord la matière, il y a ensuite le laboratoire, la manufacture avec les productions de la Monnaie de Paris, les productions et activités des ateliers de Pessac, fonction et usage de la monnaie, une petite salle de repos, les collections, les numismates, les trésors. Donc, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, d'une activité intense et croisée entre l'industrie, les collections, l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a réussi à mettre en place un système, un parcours qui permettait de répondre à des questions qui étaient pour certaines posées et puis pour d'autres évoquées. Et évidemment, c'est un enjeu énorme. Alors, toujours le système plan noir-rouge, noir et rouge ou noir et rouge jaune, là je vous épargne le jaune, je vous mets juste le rouge. Voilà un rez-de-chaussée, on va rentrer dans le musée par ici, par cette cour. On va se trouver d'abord en vision d'une première activité qui est la fonderie qui est là. On va emprunter cet escalier ici, on va monter à l'étage et on empruntera une coursive qui se trouve au-dessus de nous. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà la cour qui a été libérée d'une couverture qui avait été installée ici, qui avait été une couverture intéressante au 19e, mais qui avait été remplacée, transformée une première fois et remplacée une deuxième fois. Et puis, on avait d'ailleurs, tous ces murs étaient plâtrés, par contre, plâtrés et briquetés pour des raisons techniques. Et donc, on va redégager, retrouver, par contre, l'architecture de pierre qui était là, derrière ça, intacte, avec évidemment une qualité assez incroyable de cette architecture. Et Les deux absents dont je vous évoquais tout à l'heure, l'avant-corps, on les remplace, les deux faux avant-corps à la Jacques-Denis-Antoine, on les remplace par des murs rideaux habillés de métal aussi pour être capable de pénétrer à l'intérieur. Voilà ce que ça donne du coup de nuit. Évidemment, on voit qu'il y a une passerelle qui circule, on voit qu'il y a une porte qui donne accès à un escalier, on a un ascenseur là, je passe ces détails. Des dessins qui permettent de comprendre que l'entrée du musée va se faire dans la partie vitrée, donc une grande masse et puis une présence, une horizontale qui va donner accès au musée. Et à l'intérieur, entre-temps, le projet qui s'appelait Métamorphose va changer de nom de code, changement de président, et Aurélien Rousseau, va décider de donner comme nom de code le musée du 11 Conti. Et vous retrouvez évidemment, en pleine entrée, des planches avec du métal, du cuivre perforé et ce musée du 11 Conti. Et puis vous avez au sol, il y a tout un travail sur les sols aussi, avec notamment des adages, des éléments comme une pluie de médailles qui serait venue parsemer le sol ici. Donc tout est un ode au métal. Ici, on est face à la fonderie et évidemment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a ici un dispositif qui vous raconte comment ça marche et puis derrière la vitre, du coup, feu 2 heures, eh bien, on a un local industriel. Alors, les problématiques de ce genre d'activité aujourd'hui, c'est que là où autrefois il y avait des fondeurs qui travaillaient toute la journée, aujourd'hui, les coulées sont très limitées, elles sont très organisées, et donc, il faut venir tel jour à telle heure pour voir une fonte de métal. C'est très, très impressionnant, mais il faut être là au bon moment. L'escalier dont je vous ai parlé, qui utilise aussi des panneaux de métal, simplement pour évoquer cette présence, cette omniprésence du même métal, et puis ces grands panneaux lumineux, un peu dans un esprit de lumière et de chaleur, comme on peut l'imaginer chez Vulcain ou chez d'autres, qui relient les étages entre eux, parce que sinon, finalement, rien ne ferait lien et rien ne nous inciterait à monter en étage, et voilà ce qu'on trouve ici. Voilà l'organisation à l'étage. J'arrive là, de cet escalier, et je vais être dans une première salle qui parle des 13 minerais qui sont utilisés dans la composition des monnaies et des médailles. Ensuite, dans un laboratoire, avec un tableau de Mendeleïev, puis un rappel de toutes les grandes étapes et les grandes dates historiques qui parsèment l'histoire de la monnaie. À nouveau, l'empreinte d'une coursive. À nouveau, une vision ici sur la patine, la ciselure, et puis une autre passerelle. Et enfin, on tombe dans la grande nef,
ou la manef de la manufacture, où on va voir la frappe depuis le début de l'histoire, de la frappe au marteau à la frappe au balancier. Je ne détaillerai pas, avec les modifications d'énergie. Et puis, on va redescendre dans un escalier qui est cet escalier de la citerne que j'ai évoqué pour aller voir le grand monnayage avec ses machines. Et enfin, on va remonter parce qu'on n'a pas, on est obligé de descendre et de remonter. Et on va aller ici dans usage de la monnaie. Et puis, enfin, on va découvrir les collectionneurs avec des médaillés de boules et d'autres. Et puis, enfin, une salle qu'on appelle la salle des trésors, parce que la monnaie de Paris possède un certain nombre de trésors archéologiques ou de trésors comme le trésor de Hue, qui est un trésor acquis à l'époque coloniale dans des conditions un peu particulières au Vietnam. Peut-être qu'un jour, il ne restera peut-être pas toujours là, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, toutes sortes de trésors, des trésors retrouvés dans le sous-sol, dans les planchers, retrouvés dans des fouilles archéologiques. Donc la première salle, c'est une photo, les choses ne sont pas encore complètement achevées, mais voilà, l'idée était, on était dans une salle qui faisait 2,50 m de hauteur sous plafond. Et arrivé au débouché d'escalier, ça me semblait très intéressant d'avoir cette très faible hauteur sous plafond pour être un peu dans un espace compressé et pour évoquer un peu le thème de la galerie de mine. Ici, vous avez la vitrine consacrée aux platines, donc les métaux précieux, l'or, l'argent, le platine, mais aussi les métaux plus courants, le fer, le cuivre, et ainsi de suite. Donc, des vitrines thématisées qui à chaque fois présente donc à la fois des lieux d'extraction, des images références du cuivre ici natif, et puis enfin quelques éléments de collection qui viennent illustrer ce que l'on a fait avec du cuivre ou le cuivre sous tous ses états. Donc, c'est une première salle qui était très importante dans laquelle on est dans une ambiance un peu obscure qui permet de se concentrer et qui permet d'avoir toutes ces informations. La deuxième séquence est complètement à l'opposé, une salle blanche, une salle de laboratoire où d'un côté, c'est ce qu'on a sous les yeux, on va présenter toutes les époques, les dates importantes dans l'histoire de la monnaie. La monnaie de Paris aujourd'hui est un des établissements d'ailleurs qui vérifie la contrefaçon des monnaies s'agissant de l'euro. Donc il y a toujours une activité de laboratoire. Et puis ici, vous avez dans des vitrines des objets très précieux, une balance, des objets scientifiques qui sont des objets quasiment artistiques pour aujourd'hui, qui ne sont plus utilisés, mais qui font partie de ces collections que j'évoquais tout à l'heure. Et puis enfin, vous arrivez dans cette grande nef de la manufacture, où là, vous trouvez notamment ce qu'on appelle des balanciers. Et ici, c'est un balancier d'ailleurs qu'a dessiné Jacques-Denis Antoine, pour vous dire que l'architecte de la monnaie, l'hôtel des monnaies, en son temps, je remets mes pas dans les siens, c'est-à-dire qu'en son temps, il a dessiné le bâtiment et il a même dessiné les machines et le mobilier. Donc, ce qui est très, très impressionnant et ce qui fait que d'un seul coup, j'ai souhaité que le mobilier, les supports, les tables, les piétements, eux aussi soient inspirés de ce qu'on trouve dans les ateliers, c'est-à-dire soit des tables métalliques, soit des établis en bois. Donc, le matériau, il est dans une sorte de neutralité, d'expression de ce que sont les métiers qui s'y déroulent. C'est du vrai bois, ce n'est pas du toc. Et puis, un jeu de piétement que j'ai voulu dessiner pour qu'ils soient toujours les mêmes, quel que soit le poids des objets qui sont présentés. Ça pèse 400 kg. Donc, travailler sur des plateaux de hauteur différente avec à chaque fois, évidemment, des éléments de panneaux plus importants qui expliquent. C'est organisé sous forme d'îlots, si vous voulez. On parcourt ces îlots. On a la frappe au balancier, on a la frappe au marteau, on va avoir la frappe à la presse au 19e siècle, et ainsi de suite. Donc, que le public puisse comprendre que la frappe monétaire s'est faite avec des types d'instruments et d'outils différents. Et puis, il y a toutes sortes de choses un peu plus pédagogiques, un peu plus ludiques, qui se font à travers des éléments de multimédia. Le multimédia ici, c'est l'agence Duhaime qui a mené les travaux notamment sur le multimédia. Et ici, c'est quelque chose de très réussi. C'est à nouveau un meuble de métier, c'est-à-dire que vous vous êtes placé dans la situation d'un graveur avec un meuble, avec une encoche, les outils qui sont fixés là et une projection qui vous permet de voir en grandeur et en temps réel le travail qui se déroule. À côté de cela, on a un meuble de graveur et où régulièrement viennent faire des présentations en temps réel et en concret. C'est important et en même temps,
comme le travail de gravure, c'est un peu comme pour la couture, la haute couture. On ne présente pas les modèles qu'on est en train de dessiner parce qu'on pourrait se les faire piquer. Eh bien, les graveurs, s'ils sont dans le dernier étage de la COG, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que cette activité-là, personne ne peut y accéder. Évidemment, ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'établi, c'est des choses qui n'ont aucune diffusion commerciale prochaine. Et évidemment, les collections, ce qui est à sortir, tout ça se fait dans la plus grande confidentialité. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des collections passées ou des éléments d'une autre époque. Ici, ce qu'on appelle un tour à réduire, c'est très intéressant parce qu'avant de faire la médaille qui est grande comme ça ou la monnaie qui est grande comme ça, on fait un modèle qu'on va faire avec un moule, un contre-moule, et avec ce qu'on appelle un pantographe. C'est-à-dire qu'on réalise l'ouvrage en grand et on le réduit de manière à avoir une précision maximum et de manière à être capable de gérer le relief sur 2, 3 mm, parfois même moins, et en donnant une expression de relief extrêmement fort. Donc, c'est un travail extrêmement précis. Ici, je n'ai pas résisté, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle nous montre un engin de chantier d'aujourd'hui. On croirait une araignée de Louise Bourgeois qui a été présentée évidemment à la Monnaie, et elle est dans le volume de la citerne. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on a enfin réussi à se débarrasser du transtocker, de l'ascenseur et de la coursive, et on retrouve le volume dans sa pureté initiale une fois que la citerne en a été démolie. Tout de suite, l'idée, ça a été de travailler là encore avec des panneaux métalliques qui racontent toujours le métier à l'intérieur. Voilà le dessin plus sophistiqué qui vous montre les deux ascenseurs dos à dos, un ascenseur pour la partie industrielle totalement étanche, on ne peut pas passer d'une partie à l'autre, et un ascenseur pour le public pour relier ces niveaux entre eux. Et puis, quand on arrive, voilà à quoi il ressemble. Donc, avec ici le son, la présence du son, et de la frappe monétaire, du bruit que vous entendriez si vous pouviez aller à Pessac, ou aujourd'hui, quand on presse, on bat monnaie, c'est 800 pièces minute. Donc, c'est plus que n'aurait pu jamais imaginer l'oncle Picsou. Et ça fait évidemment un bruit absolument incroyable. Donc, les ouvriers sont équipés, et ainsi de suite. Et le bruit qu'on entend là est très léger, parce que s'il était réel, il serait simplement insupportable. Mais quand vous descendez dans ce volume, eh bien, vous allez entendre le son qui est dans ces lieux. Ici, la statue de la fortune, la demi-coupole, le mur de séparation, et ici, un mur coupe-feu 3 heures avec un dispositif vitré qui permet de regarder ce que sont les ateliers de presse monétaire aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a pas d'ouvrier de la monnaie en tablier de cuir avec je ne sais pas quoi, des sabots et je ne sais pas quoi. C'est un équipement industriel. Et vous voyez ici les produits avant frappe ou après frappe qui sont présentés et présentés au public. Ici, un ouvrage qui sont des abat-sons qu'on a mis en œuvre parce que évidemment, ça reste, même si ces machines sont totalement capotées, ça reste bruyant d'un point de vue sonore. Donc, il faut casser le son. Et au 19e, ben, ils ont cassé la voûte qui était là. Et j'ai choisi de l'exprimer à travers ces éléments, de retrouver finalement le volume sans le reconstruire, mais en utilisant cette contrainte technique pour lui donner forme. Si un autre élément qui se trouve juste derrière et qui permet de parler des productions qui se déroulent à Pessac. Et si vous avez l'occasion d'aller visiter, je vous conseille vivement, il y a un film qui montre l'usine de Pessac, qui est un film absolument magnifique, architecturalement parlant aussi. Voilà. Vous remontez et donc, vous avez ici les plans avec les machines. Hein, vous les voyez ici qui sont implantés. Donc, on s'est amusé à un moment donné à combiner les plans qui étaient produits par la direction industrielle, nos plans. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un endroit où il y a une projection, des îlots sur la frappe, vous les voyez ici, l'escalier qui vient se lever dans cette forme qui restait disponible. Et puis, on remonte à l'étage et là, on va passer dans usage de la monnaie, petite salle d'exposition temporaire. Et puis, ici, les trésors et ici, les collectionneurs, pardon, et ici, les trésors. Donc, un parcours qui se finit évidemment par un escalier qui, comme dans tout musée qui se respecte aujourd'hui, va terminer et déboucher dans la boutique. Donc, voilà deux grandes équerres qui se font dos à dos, qui s'affrontent. Et vous voyez ici la présence de l'architecture hein, qui est remarquable, qui est présente. Des grandes voussures qu'on a utilisées, évidemment, avec des matériaux absorbants, avec des systèmes de projection. Et puis, des grandes vitrines qui, elles-mêmes, sont des grands ensembles constitués de panneaux métalliques.
un mobilier qui est le même partout, qui est toujours décliné selon les mêmes principes, et puis toutes sortes de choses tactiles qui vous permettent de regarder ceci ou de regarder cela. Donc, un travail de calpinage, un travail qui cherche à disparaître pour laisser la parole aux collections, aux œuvres, aux interviews que vous pouvez voir diffuser ça et là. Voilà, ici, on est avec un tableau qui représente un maître graveur et le jeune roi Louis XIV. Ici, des médaillés de boules, ont des ouvrages absolument exceptionnels, de grandes collections. Et puis ici, on est dans un endroit où auparavant, on avait d'énormes hôtes qui descendaient du plafond. Donc, quand il s'est agi de continuer à travailler avec ce système d'îlots et de plateaux qui travaillent sur différents niveaux, avec des vitrines qui sont posées, qui sont évidemment contrôlées sur toutes sortes de choses. Donc, tout ça passe par des pieds. Le but, c'est qu'on ne voit rien, parce que dès qu'on voit quelque chose, ça arrache l'œil. Je me suis dit que finalement, on pourrait très bien concentrer la lumière et évoquer, sans le raconter, je vous le raconte, mais je pense que la plupart des visiteurs ne font pas forcément le lien direct, sauf quand ils font la visite guidée, c'est qu'ici, on était dans une salle avec des voûtes et avec des grandes hottes, parce qu'il y avait des hottes partout dans ce bâtiment. Des hottes parce qu'il y avait de la production de chaleur et on extrayait la fumée de la sorte. Donc ici, la hotte devient un volume qui permet de concentrer l'attention sur les objets et de permettre de les admirer et de les regarder. Le coffre-fort, ça fascine évidemment toujours dans l'imaginaire. Et ce coffre-fort, vous savez que les salles des coffres, c'est fait de petits tiroirs métalliques qui sont tous les uns identiques aux autres. Donc l'idée, c'était d'avoir une enveloppe très simple. Ici, on a un trésor qui est présenté là. Et puis ici, on a un autre trésor, qui est le trésor dit le trésor de Hue, capitale du Vietnam, qui est un trésor absolument magnifique. Et là, Yves Morel, qui est un socleur, a fait un très joli travail de conception, de mise en place de tous ces lingots d'or, or rose et or jaune, avec la conservatrice. Et du coup, ils ont réussi à trouver une manière d'évoquer sans doute la corne d'abondance. Ici, une vitrine très importante parce que ce sont les poinçons. La monnaie possède des dizaines de milliers de poinçons. Ce sont les plus beaux qui sont présentés là. Dans une vitrine qu'on peut regarder des deux côtés, c'est très important. Une vitrine meuble qui fait 8 mètres de long et 3 mètres de haut. Et c'est évidemment un ouvrage important pour rentrer dans le regard avec précision de ces collections. Alors, la monnaie, ça fabrique aussi des légions d'honneur, des médailles. Et donc, ici, vous avez les étapes, vous voyez, la frappe, et puis les étapes de transformation jusqu'à arriver. Alors, je ne sais pas si c'est Grand Croix ou je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, vous voyez les différentes médailles qui sont là. Ça parle aussi de ça. C'est un autre domaine et c'est évidemment un domaine un peu différent. Alors, j'ai presque fini. Je vais finir comme on fait dans la visite par la boutique, puisque là aussi, on a eu cette chance assez remarquable d'avoir un maître d'ouvrage qui nous a laissé agir sans qu'il fragmente la maîtrise de l'œuvre en mille morceaux. Et donc, avec les équipes de la directrice du marketing, on s'est livré à un nouvel exercice qui était l'exercice de concevoir et de réaliser la boutique de la Monnaie de Paris. Alors, ça part toujours pareil, hein, des petits croquis pour essayer de se mettre les idées au clair, des pièces qu'on réutilise, je ne vous refais pas tout le scénario, et puis une équipe ici, j'ai pris cette photo lors d'une réunion de travail pour vous montrer évidemment que la place de la maquette dans le travail de la Céno ou de la boutique, c'est une place essentielle, c'est une place très très importante. Des plans, des documents, on regarde des choses très concrètement. Et puis pareil, un travail le avant-après. Et donc, l'escalier qui nous fait descendre de la présentation des collections nous mène directement dans cet espace qui est accessible de trois façons, à la fin des expositions, mais aussi directement depuis la rue ou directement depuis les cours. Ça, c'est une contrainte que l'on s'est donnée. C'était Claude Giffin, la directrice du marketing, parce qu'il était important que cette boutique se situe à l'articulation du parcours public urbain, du parcours intérieur des espaces ouverts et du parcours muséal. Donc, cet espace, qui était une ancienne fonderie, a permis de remplir cet usage. Et la fonderie qui était là a basculé de l'autre côté de la cour. Donc, vous voyez, des transferts d'activités ont été assez longs à mettre en œuvre. De la même manière, ici, une série de croquis qui permet de réfléchir et de penser ces différents espaces
avec ces deux espaces en bleu sombre qui sont plutôt pour des ouvrages de bijouterie ou d'essayage de grands croix de la Légion d'honneur ou de ce genre de choses. Ici, donc, un grand volume avec toujours l'architecture. Ici, vous notez cette présence, tout simplement, il y avait une voûte plate qui était ici, qui au 19e a été rasée, a été détruite pour accueillir des installations plus conséquentes. Donc, j'ai choisi d'en faire une fenêtre qui fait qu'au bout du parcours, cette couverture qui préexistait, eh bien, elle vous donne un point de vue directement sur l'espace de la boutique. Vous retrouvez ici l'expression d'un meuble de métier, c'est-à-dire une table de graveur, des plateaux en bois, des pieds en métal. On a cherché là aussi à ce que les matériaux soient toujours les mêmes finalement, toujours dans la même approche. Et ici, ce n'était pas les plus heureux, mais de manière provisoire, un arbre a été installé là. Et ici, ce sont des grands panneaux réflecteurs qui permettent de faire tomber la lumière parce qu'on a un éclairage zénithal à 17 mètres de haut qui avait été complètement occulté et qui permet évidemment de ramener de la lumière jusqu'en bas de la pièce. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ici, vous retrouvez ces mêmes meubles. Ici, c'est un coin de la boutique qui est plus courant avec des médailles courantes, de la librairie, voilà, d'autres petits modèles de vitrines déclinées, toujours des tables pour que les gens puissent s'asseoir. Et puis là, une salle dans laquelle je voulais travailler avec un système de mâts que l'on voit depuis l'entrée de la boutique. Vous voyez, une installation qui nous permet d'un seul coup de alors au départ c'était circulé au milieu, finalement ça s'est concentré parce qu'évidemment la pièce avait ses dimensions, il fallait un certain nombre de questionnements de circulation, de sécurité, de liaison entre ces éléments. Je passe les détails, mais c'est toujours pareil. Et enfin, un dernier espace dans lequel on termine. Et puis ici, donc, une vue sur la cour. Voilà, donc un projet qui se développe, qui s'est développé en ces deux premières phrases qui représentent 90% du projet ont été réalisées. Et au moment de l'inauguration, il y a eu une exposition. C'est à l'occasion de cette exposition qu'ont été réalisées ces maquettes. Une exposition pour parler du lieu et de son projet. Et puis cette exposition a été démontée et en attente d'une troisième phase qui doit peut-être un jour voir le jour. C'est la perce du concours, donc c'est une vieille perce, mais qui vous permet de vous rendre compte de l'état d'esprit du projet. C'était de dire on va révéler la façade du petit hôtel de Conti, on va créer une galerie de liaison sous forme d'un auvent et on va habiller à nouveau de métal en biti le porche qui permet de déboucher sur la rue Guénégaud. Entre-temps, que s'est-il passé? Eh bien, tous les travaux de démolition de curage ont été réalisés. Et aujourd'hui, on a un peu un espace de no man's land qui est utilisé à des activités de location ou autre. Parce que comme la monnaie est son propre financier, son propre financeur, eh bien, il faut qu'elle trouve les moyens de réaliser cette troisième phase dont le permis de construire a été obtenu, mais qui, évidemment, nécessite quelques moyens. Ici, vous voyez un jardin en eau qui ensuite a évolué vers un jardin qui n'est plus en eau pour être plus praticable par un public qui viendrait séjourner ou traverser les lieux. Il faut dire aussi qu'au passage, évidemment, les attentats de 2015 ont impacté le projet puisque l'idée au départ était une ouverture totale et qu'aujourd'hui, quand vous allez sur la Monnaie de Paris, ben, vous êtes contrôlé à l'entrée et à la sortie de chacun des passages. Ce qui représente d'ailleurs un enjeu fort, à la fois en termes de sécurité, mais aussi financier, pour faire fonctionner et vivre le lieu. Voilà, donc je finis par cette dernière image qui est finalement la première image. Ce qui est le paradoxe, et ça je dis ça aussi pour nos amis étudiants architectes du master, c'est que c'est une des idées qui m'a sans doute permis de remporter ce projet et c'est celle qui pour l'instant n'a pas été réalisée. Voyez, la vie est un long cercle. Et il faut avoir beaucoup de patience dans ce métier. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vois qu'il est 6h pile, je ne l'ai pas fait exprès, mais presque. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Merci beaucoup, Philippe. Surtout qu'une fois de plus, bravo pour un exposé devant un écran. C'est pas facile. Hein. Ordinateur, sans notes. Je me demandais comment tu allais t'y prendre dans cet écheveau compliqué d'une programmation qui allie un musée, une usine, une boutique, une galerie contemporaine, etc.
Et donc, merci pour cet exposé très clair. Alors, je vais évidemment laisser les gens intervenir. Moi, pour lancer peut-être un peu les choses, ce que je trouvais très intéressant dans ton exposé, justement, je me demandais comment tu allais faire, c'est que, évidemment, tout ça est destiné à des étudiants du master architecture et scénographie. Et je me demandais comment tu allais arriver à la scénographie. Hey. Mais c'était une question complètement naïve de ma part, puisque ça aurait été, d'une certaine manière, une sorte de sous-chapitre dans le projet. Et je trouve que ta manière de faire, d'une certaine manière, par glissement successif, on pourrait dire, est très pertinente, parce qu'il n'y a pas vraiment de coupure nette, d'une certaine manière, dont on travaille entre... tout à coup, je ferai de la scénographie et puis tout à coup, je ferai de l'architecture. Mais c'est plutôt, voilà, je dirais une succession de glissements dans les intentions et à chaque fois, avec comme fil conducteur, l'histoire du lieu. Moi, ouais. c'est ce que je retiens en fait, c'est que y a pas, tout ça est au service d'une lecture où l'histoire du contexte, l'histoire et le contexte, hein, c'est-à-dire l'histoire passée et présente et puis future vu la dernière image là. Est clairement l'enjeu quoi. Et je trouvais ça très, très intéressant que justement tu amènes la scénographie par ce biais-là et non pas uniquement comme tu aurais pu le faire en se disant bon, bah, y avait une collection à présenter, voilà comment je m'y suis pris. Tu es rentré par l'histoire et je trouve ça très éclairant. Voilà. Et ça amène aussi l'idée que la scénographie, c'est potentiellement des degrés de lecture différents. Oui. Ça, je trouve ça très, très riche. Mais bon, ce n'est pas à moi de parler, c'est aux étudiants. Donc, ceux qui ont des questions, je vous invite à couper votre micro, enfin non, à rallumer votre micro et à profiter de la présence de Philippe pour qu'il se sente moins seul face à son écran, du coup. Alors, je ne sais plus comment ça... On a pris l'habitude de la solitude face aux écrans. Hein. Oui, c'est un peu terrible. Je crois que le dernier cours que j'ai fait, il y avait pratiquement que des écrans noirs avec juste les noms. Alors, c'est... Au bout d'un moment, on se dit, ouais. Ça fait un peu bizarre. Moi, c'est vrai que le cours en présentiel, comme on dit, je trouve que c'est quand même plus sympathique humainement parlant. Mais en tout cas, c'est efficace, ça marche. Ça peut, c'est quand même pas si mal. Maintenant qu'on a appris à le faire, c'est pas mal. Ça peut être pratique dans certains cas, même dans des cas un peu improbables. On peut imaginer quand même donner un cours. On est retenu, je sais pas où, pof. On peut quand même faire le cours à distance. C'est pas mal. Ouais, il ne faudrait pas que ce soit trop bien parce qu'après, on ne va plus exister. Hein. Ah oui, non, puis je pense quand même, c'est pour ça, je pense d'ailleurs que le travail de studio qu'on fait, c'est bien de le garder en présentiel, comme on dit, parce que c'est quand même pas pareil, quoi. On est tous autour d'une table, c'est quand même beaucoup plus vivant, hein. C'est quand même beaucoup plus chaleureux, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part de tous ces petits micros fermés, là ? C'est peut-être trop clair. C'est peut-être trop clair, oui, parce que j'ai vu un commentaire qui disait que c'était très clair. Ah bon, moi, je n'ai pas vu, moi. Donc on a le droit à des petits commentaires écrits. Ah oui, où est-ce que tu vois ça? Moi, je ne les vois pas. Merci, mais quelqu'un, Alexandre Daube, que je ne connais pas, qui remercie parce que c'était très clair, voilà. Ah, bah c'est bien. Voilà, c'est bien. Tu as un like, comme on dirait. Oui, c'est ça. Oui, est-ce qu'il y a des interventions où c'était suffisamment clair ? Oui, bonjour. 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 Merci pour cette conférence. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, oui, vous êtes à San Francisco, non ? Golden Gate derrière moi, oui, cette fois-ci. C'est pas mal. Merci pour la conférence. C'est bien sûr un projet impressionnant, le travail qui a duré des années. On l'apprécie. Même si on n'a pas, moi personnellement, je n'ai pas pu visiter le site. Bah, au départ, l'idée c'était d'organiser une visite. Hein. Avec Nicolas, on s'était dit je ferai une séance en salle et après on fera une visite. Mais bon, Covid en a décidé autrement. Oui, et moi, il y avait plein de questions que je me notais pendant la conférence. Mais une des questions qui va nous concerner un peu en tant que les jeunes scénographes, c'est peut-être de savoir s'il y avait
sur la question d'exposer des monnaies, donc des objets si précieux, est-ce qu'il y avait une contrainte par rapport à l'omniprésence quand même des ouvertures, des fenêtres? Alors, moi, j'ai comme l'a dit Nicolas, moi, j'ai préféré vous donner une lecture globale plutôt que de partir bille en tête sur la Céno et la Muséo. Pourquoi ? Parce que, mais je vais répondre à votre question, hein. Parce qu'il me semble que pour moi, c'est assez important. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais, il faut que les architectes fassent tout, mais je trouve que, en tout cas, quand il y a une équipe, elle doit être bien constituée, les gens doivent bien travailler ensemble. Parce que tout ça, pour moi, c'est un jeu d'emboîtement. Je ne dirais pas la même chose pour les expositions temporaires, c'est complètement autre chose. Et là, il faut qu'il y ait une créativité assez libre, qui s'abstrait complètement de son. Enfin, qui joue pleinement. Mais quand on est dans des édifices comme cela, parfois, on voit des choses, on se dit, c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas eu le lien de fait entre le lieu et tout ça. Bon. Donc, j'ai choisi de vous donner cette lecture macro parce que je me suis dit qu'on ne l'a pas si souvent, cette lecture macro, du fait notamment de la partition entre… En général, il y a trois partitions. Il y a l'architecte des monuments historiques, l'architecte et ensuite le muséographe. Et parfois, ça peut être encore pire. Passons. Donc, évidemment, j'aurais pu faire un exposé où je serais rentré dans la technique. La présentation des monnaies pose des problématiques spécifiques. Elle pose des problématiques spécifiques liées à leur nature même. C'est-à-dire le relief, en fait, est, le talent d'un graveur, c'est de faire qu'avec 1,5 mm ou 2 mm, vous ayez l'impression qu'il y a un énorme relief et vous lisez tout. Et c'est un vrai talent. C'est vraiment un travail en trois dimensions, mais avec des contraintes d'épaisseur maximale. Bon. Donc, pour arriver à révéler le relief, à la fois, il faut une lumière qui soit bien dirigée et en même temps, il ne faut pas de lumière incidente. Donc, il y a tout un travail. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, sur ce projet, c'est Benoît Deseille avec qui j'ai travaillé. Donc, lui, il a mené tout un travail sur la lumière. Nous, de notre côté, on a mené un travail sur la lumière naturelle. C'est-à-dire que la lumière naturelle, à certains endroits, on l'a filtrée. À certains endroits, on l'a occulté totalement. À d'autres, on l'a simplement filtré. Et à d'autres, enfin, on l'a laissé complète. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour qu'à travers une fenêtre, on puisse avoir une vue, mais que l'incidence du soleil, alors ça se fait, c'est très pratique maintenant avec les héliodons, avec tout ça, on peut regarder où arrive le soleil, où il repart, pour éviter que certains rayons à telle heure ou à tel moment puissent venir rompre la lecture. Donc, et puis sur certaines fenêtres, on a aussi utilisé des films spéciaux sur simplement le vitrage pour préserver en même temps la vue sur l'extérieur et en même temps couper certains types de rayons. Donc, rien que là-dessus, quand j'ai fait cette présentation, c'était intéressant parce que finalement, je ne l'ai jamais faite. Donc, tu vois, Nicolas, c'était vraiment très chouette parce que, en général, quand on présente un projet, si on le présente en trois quarts d'heure déjà, les gens trouvent que c'est long. Et du coup, c'est un sujet assez complexe. C'est urbain, architectural, intérieur, muséographie. Donc, bon, en général, la muséo, je ne fais que l'effleurer. Et là, j'ai compulsé tous les documents qu'on a produits. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est énorme. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je mets les cahiers sur la lumière ? Par exemple, il y a toute une série de cahiers qui ont été faits juste sur la lumière, pièce par pièce. Avec à la fois des vues en plan, des vues en coupe-élévation, voire des vues en 3D. Tout le parcours, on l'a travaillé dans une modélisation 3D que je ne vous ai pas montré non plus, que j'ai retrouvée là en faisant ma petite enquête. Une modélisation 3D qui nous permettait de déplacer certains éléments de mobilier, de vérifier les parcours. Pas une jolie modélisation comme dans les trucs de vente, hein. Une modélisation pour tester, pour déplacer, pour... quelque chose d'assez brut, mais de très pratique. Donc, j'aurais pu, par exemple, parler des outils. Tout à l'heure, cinq minutes avant, j'ai retrouvé cette photo d'une personne qui travaille à l'agence qui ne travaille plus, de quelqu'un qui était d'un AMO, du maître d'ouvrage et de Guy Finn, l'ancienne directrice du marketing. Je l'ai sorti parce que je me suis dit, finalement, dans toute cette présentation, on ne voit pas d'être humain en train de travailler à la Céno. Et évidemment, ça passe par des tas de réunions avec des tas de gens différents. Il y a des spécialistes de tel type de monnaie. Donc, il y a eu des réunions intermédiaires. Donc, si vous voulez, rien que comment on présente une monnaie, le soclage,
Yves Morel, avec qui on a travaillé, a fait un super boulot parce qu'il y a différents types de manières de socler une monnaie. Et ça renvoie à la question du relief. Est-ce que je la présente verticale, inclinée, à plat? Donc, c'est un monde, je dois dire, qu'on a découvert à cette occasion parce qu'on ne pouvait pas le soupçonner. Mais après, il y a la question de est-ce qu'on voit les deux faces ou pas? Est-ce qu'on utilise un miroir pour voir la face arrière? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui permet de voir les deux faces de chaque côté? Bon, enfin, et sur chacun de ces choix-là, sur chacun de ces sujets-là, il a fallu que la maîtrise d'ouvrage fasse des choix. Et ça a été évidemment quelque chose de très détaillé et très minutieux. J'ai parlé d'Anne-Sophie Durayon-Chavannes qui a piloté le projet à un moment. Ensuite, beaucoup plus tard un conservateur qui s'appelle Victor Hensbeckler, qui maintenant est allé au Louvre. Et si vous voulez, c'est une multiplicité d'étapes, de tests. Alors, on a eu aussi la chance, parce que comme le chantier a été long, qu'on a été beaucoup perturbé par le plomb bien avant Notre-Dame de Paris. Notre chantier a été interrompu pendant pratiquement un an et demi. Donc, quand j'entends toute l'affaire de Notre-Dame, j'ai l'impression que les gens ne connaissent rien et n'ont jamais rien vu, parce que tout ce qui s'est passé à Notre-Dame à propos du plomb, nous, on a été soumis à ça. Moi, j'ai mon chantier qui a été arrêté le 4 août 2012. Ça a été très, très violent. Je ne rentrerai pas dans les détails. Oui, il y a toute une histoire du chantier avec ses turpitudes, amiante, plomb, archéologie, enfin, tout est bon. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de sujets, et que chaque fois, c'est très arborescent. J'ai failli vous mettre l'organigramme de la maîtrise d'œuvre, puis j'ai abandonné parce qu'il était 59. Mais je me suis dit, ça, si je leur montre ça de deux choses l'une, ou ça leur fait peur, ou alors ils se disent, mais finalement, l'architecte, il fait quoi là-dedans? Parce qu'il y a une multiplicité d'intervenants, si vous voulez. Chaque sujet est en soi un domaine. Donc, et puis, on a une multiplicité d'interlocuteurs. C'est-à-dire que nous, on a eu des gens dans la conservation pure et dure, des gens plutôt dans le culturel et la transmission. Mais on a eu aussi des graveurs qui sont venus mettre leur nez en nous disant « Non, mais attendez, vous racontez ça, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Le patineur ou le ciseleur qui a dit « Non, mais moi, je ne veux pas mon établi là. » Alors que le plan industriel était déjà géré. Hein. Mais après, ça s'ajuste encore tout ça. Sans parler, par exemple, d'un sujet énorme qui semblait insurmontable et qui a été surmonté. Est-ce que les artisans ont envie que les gens les regardent quand ils travaillent? Donc, le point de départ, c'était de dire on ne va pas mettre des faux artisans, parce que ça serait terrible. Et ça, tout ça, ça a mis du temps à se mettre en place. Et aujourd'hui, quand on va, par exemple, sur le grand vitrage et qu'on voit le grand monnayage, c'est les vrais ouvriers de la monnaie qui sont là. Au début, ils étaient assez réfractaires, il faut bien dire ce qu'il y a. Ils n'avaient pas du tout envie. Et alors maintenant, moi, la dernière fois que j'y suis allé, c'est peu de jours avant la fermeture pour Covid. J'étais étonné parce qu'on a même eu une ouvrière. C'est une maison qui est très, très syndiquée, hein, qui est très, très, très syndiquée. Et donc, elle est venue nous présenter le plateau avec avant, après. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est la révolution. Et évidemment, les gens qui visitent, ils sont complètement babas, en fait. D'un seul coup, et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, des gens qui n'avaient pas forcément l'impression qu'ils faisaient un travail qui intéressait les autres, qui étaient... D'un seul coup, ils se sentent aussi revalorisés. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils voient qu'il y a des gens qui viennent regarder et que ça intéresse. Et ça, ça fait assez plaisir de voir ça. Et donc, tout ça pour vous répondre à votre question, c'est que la manière de présenter une monnaie, la manière de filtrer la lumière, c'est un univers en soi. Ça a donné lieu à des dizaines et des dizaines de réunions. Donc, on a des centaines de mètres d'archives qui ont été stockées parce que c'est vertigineux. Donc voilà, donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais chaque sujet est une question en soi. Il y a des problématiques de sûreté et de sécurité énormes, dont je n'ai pas dit un mot, mais qui sont considérables à gérer dans le projet comme ça, dans un projet comme ça, parce qu'il y a du stockage de métaux précieux dans les sous-sols. Il y a en même temps des pièces de collection vraiment rares. Donc, il y a un PC de sécurité central à l'intérieur du bâtiment. Enfin, je n'ai pas abordé tout ça parce que sinon, je vous dis, il faut une journée. Ce que j'espère, moi, c'est que peut-être qu'en septembre, s'il n'y a plus de Covid, peut-être on pourra faire dans le programme d'enseignement, aller faire une visite. Ça, je pense que ça serait vraiment intéressant pour vous parce que j'avais dit à Nicolas, je préfère faire l'exposé avant la visite parce que la visite sur place, du coup, vous aurez d'autres questions beaucoup plus pointues à poser.
Je pense. En fait, j'avance peut-être. C'est réouvert pour en juin. Ça c'est réouvert là. Ben, moi, j'ai pas bien de lire. Ah. Ce matin, j'ai lu un article par hasard et c'est, enfin, ça réouvre en juin. Ah ben, c'est bien. Gratuit. Et c'est gratuit. Pour juin. Ah, pour juin. Ah oui, d'accord. Non, mais faudrait qu'on regarde si on ne peut pas organiser ça à un moment donné. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, il faut regarder. Bah oui, en juin ou en juillet, j'en sais rien. Bah écoute, tu me diras un peu tes disponibilités. Oui, oui, bah oui. Philippe, et puis on essaye d'organiser ça si on qu'à faire. Si ça réouvre, profitons-en avant que ça referme. Je ne savais pas que c'était réouvert parce que là, les musées, c'est un peu en ordre dispersé. Je ne sais pas, il y a ceux qui disent que c'est des petits musées, il y a ceux qui disent qu'ils vont faire qu'en juillet. C'est non, assez, mais il y a pas mal de choses qui réouvrent là d'ici au 15 juin, j'ai l'impression quand même. Oui, oui, oui. Ben, ils essayent hein, parce que c'est quand même assez dramatique. Hein. C'est... Bon. Est-ce, okay. qu'il y a une autre, est-ce qu'il y a une autre question ? Pardon. Vas-y. J'avais une question en fait sur les luminaires. Sur l'éclairage, les luminaires. Oui. Du coup, c'est Benoît qui s'en est occupé. Et donc, vous avez parlé de ses hôtes, d'éclairage qui reprenait le langage de ses hôtes, voilà, pour mettre en valeur les œuvres. Je me demandais si pour... enfin, ça avait l'air tellement évident de tisser ce lien entre le passé et le présent. Est-ce que... quand la personne s'est occupée de concevoir ces luminaires-là, est-ce que ça a été une évidence ou est-ce qu'il y a eu d'autres idées ça, par exemple, si vous voulez, il n'y a jamais d'évidence. Une fois que les choses sont faites, elles peuvent sembler évidentes, mais elles ne le sont jamais. Mais c'est normal. Et moi, c'est, si vous voulez, dans cette lecture très fine du monument et des activités qui se sont déroulées, j'ai souhaité faire des hôtes. Donc, j'ai fait une série de croquis. Et ensuite... plusieurs choses, plusieurs interlocuteurs. Benoît, pour voir qu'est-ce qu'il met comme source et quelle puissance de source on met là. Est-ce qu'il y a des éclairages relais plus près des objets? Et puis en même temps, de l'autre côté, le conservateur ou la conservatrice, pour voir quelles sont les conditions. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Si vous voulez, vous n'êtes jamais tout seul en fait, dans ce type de situation. Il y a toujours une série d'interlocuteurs. Par contre, l'idée de mettre des hôtes dans cette pièce, en fait, je ne l'ai pas expliqué, mais par contre, c'est la seule pièce de toute la monnaie, où ces voûtes plates très particulières, faites en briques, revêtues de plâtre, et qui sont des voûtes coupe-feu avant l'heure, c'est la seule pièce où les voûtes ont été conservées. Dans toutes les autres pièces du bâtiment, elles ont été détruites. Ce qu'on a, c'est beaucoup de voûtes en pierre de taille, mais qui sont des voûtes dans des espaces nobles et non pas des espaces industriels. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était énorme. Il fallait absolument les garder. Je vous épargne les versions au moment du chantier. On n'a plus le temps, monsieur l'architecte, ça coûte trop cher, il faut faire une réunion d'arbitrage à 22h dans le bureau du président parce que, oui, mais là, vous comprenez, l'entreprise, nous, on ne s'en sort pas, mais il veut absolument nous obliger à garder ça. Le bureau de contrôle qui ne sait pas justifier la tenue de la voûte, hein, évidemment, parce que le bureau de contrôle, bon, il n'a jamais vu qu'une voûte comme ça puisse tenir debout. Bon, enfin, je vous passe, et j'ai deux souvenirs qui me reviennent, mais il y en a... Et moi, mon enjeu, c'était de garder ces voûtes, de donner quelque chose de subliminal sur l'idée de la hôte et ensuite de travailler pour que ça soit possible. Mais après, comme je vous le disais tout à l'heure, même le socleur, même Yves, il a eu tout un travail sur comment il fixe la pièce, comment il la présente, comment il installe l'élément. Donc, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est quand même ça qu'il faut bien voir. Par contre, les idées de base, bah, c'est les vôtres et c'est vous qui devez les avoir. Donc, c'est pas Benoît qui m'a parlé de hôte, lui il avait imaginé d'autres choses au début, voyez. Donc c'est un travail itératif et c'est ce qui est d'ailleurs assez intéressant et assez excitant quand ça marche bien. D'accord, merci. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Moi, j'avais une question sur le format du programme qui avait été fourni, parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir que c'était a priori plutôt une lettre qui annonçait un certain nombre d'intentions, mais sans être un programme détaillé. Et du coup, ça se présentait comment ? En fait,
À vrai dire, c'était très, très étrange. De toute façon, on était plutôt au stade d'un concours d'idées que d'un concours classique. Quand on fait des concours où il y a de la scéno, de la muséo, en général, il y a un programme scientifique et culturel, il y a la liste des œuvres, il y a déjà tout un travail qui a été fait et qui est assez développé. En fait, là, on était dans une situation de marche en avant. Le président avait été nommé en 2007. Il avait commencé tout de suite à chercher à préserver le bâtiment, à éviter qu'il ne soit vendu, en clair, hein, à ce que ce soit délocalisé. Et il a enclenché ses équipes et il a marché en avant. Donc, en fait, quand on a été réunis, sélectionnés, on s'est tout de suite aperçu qu'on était à un stade de concours d'idées, d'autant plus que, comme je le disais, vous avez vu que j'ai montré quelques photos des lieux. Pour arriver à se retrouver dans ces lieux, c'était quasiment impossible. On avait une difficulté. Alors, le paradoxe, c'est que je pense que ça a rendu possible des choses qui n'auraient pas été possibles s'il y avait eu un programme très déterminé et une conservatrice ou un conservateur au départ très ayant tout défini. À côté de ça, ça nous a obligés à nous confronter à des situations parfois quasiment inextricable, quasiment psychanalytique, institutionnel, enfin tout quoi. On a eu droit à tout parce que c'était des enjeux de personnes, de pouvoir, et qui au bout du compte avaient un impact sur le projet. Donc c'était quelque chose de très très particulier que j'ai jamais vécu ailleurs d'ailleurs, hein, je dois dire, parce que les choses se faisaient en marchant. Et l'histoire de l'usine en est encore plus révélatrice puisque au départ, dans le programme du concours, il n'y avait pas de locaux industriels à construire puisque la monnaie était toujours propriétaire, enfin, était toujours affectataire de cette parcelle. Donc, en fait, au départ, on avait ce qu'on dirait, pour faire du vilain franglais, un brief qui devait être, je ne sais pas s'il y avait peut-être 15-20 pages. Et puis voilà, quoi. Mais il faut dire qu'il y avait une indemnité qui était totalement ridicule et qu'il y avait un temps qui était encore plus ridicule. C'est-à-dire que je crois qu'on avait 10 000 ou 15 000 euros pour faire un projet de 15 millions au départ ou 20 millions, 15 ou 20 millions d'euros. Et on avait, je ne sais plus combien on avait de temps, mais on avait genre 5 semaines quoi, ou un truc comme ça, 5-6 semaines. Et la question a été posée parce que les architectes, quand ils sont réunis, il y en a toujours un. Alors, il y a Ricciotti qui a dit… moi, je vais faire un casse, il faut me dire où est le coffre-fort. Bon, ça, c'est Rudy. Mais il y a aussi d'autres qui ont dit, mais il faudrait qu'on décale, c'est pas possible. Vous savez, le conciliabule où les architectes se réunissent dans un coin en se disant, c'est pas… Alors, il y en a un qui, je ne sais plus qui c'était, lequel, qui a posé la question. Le président a dit, écoutez, c'est pas grave, il y a un huitième ou une huitième. Si vous ne pouvez pas vous abandonner, on prévient l'autre. Donc, ça s'est assez vite arrêté. Et parce que lui, en fait, il avait son calendrier, donc il voulait annoncer le résultat d'un concours avant le 14 juillet. Enfin, c'était ce genre de situation un peu où rien ne va jamais assez vite. Mais on en rencontre assez souvent des situations comme ça en même temps. C'est où, non ? Il y a l'excès inverse aussi, où ça va tellement lentement qu'on se demande si le projet finira par aboutir. Parce que comme les gens changent, à un moment donné, plus personne ne s'intéresse au projet, on est les seuls à continuer de s'y accrocher. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hein, mais... Si, tout à fait. Non, c'est pour ça que moi je dis que ça ressemblait plutôt à un concours d'idées en réalité. Parce qu'ils étaient face à quelque chose. D'ailleurs, les réponses ont été très, très, très différentes les unes des autres. C'était vraiment des choses qui n'avaient aucun rapport, mais enfin très, très éloignées. Mais ce qui devait être particulier aussi, c'était les choix de composition des équipes. Parce que si ils restaient assez flous sur le concours d'idées ou le type de projet que ça représentait, il n'y avait pas forcément une demande de composition d'équipe assez précise. Si, il y avait une demande, un architecte, un paysagiste, un muséographe, scénographe, des bureaux d'études, économistes. Si, il y avait une équipe complète, par contre, qui était demandée. D'accord. Donc, ça, c'était… ils avaient fait… Tout était comme si c'était un vrai concours. Un concours classique, plutôt. Parce que c'était un vrai concours, par contre. Mais par contre, les documents, le dossier de consultation des équipes était
très, très réduit à peu de choses. Mmh. Et moi, je dois dire, c'est pour ça que j'ai fait la petite incise, je dois dire que le fait d'avoir travaillé sur ce site auparavant m'a quand même permis de comprendre un peu où je mettais les pieds. Il y a dans les architectes, je n'ai pas cité tous, mais il y en a certains qui ont fait des projets. On sentait qu'ils n'arrivaient pas à s'emparer du lieu, parce que le lieu, aujourd'hui, il est assez éclairci, épuré, mais en fait, à l'époque, il y avait des bouts de construction dans tous les sens. Enfin, c'était illisible, incompréhensible. Donc, je comprends quelqu'un qui est pas, qui connaît pas du tout le bâtiment avant, qui va l'avoir visité en tout et pour tout 4-5 heures. En n'ayant pas pu accéder à toutes les pièces, parce qu'évidemment, là, il y a des fours en activité, on ne peut pas rentrer. Là, il y a des bains de cyanure pour blanchir des trucs, on ne peut pas rentrer. Enfin, je vous passe tous les détails industriels. Donc, en fait, on avait une vision extrêmement faible du lieu, en réalité. Il fallait se projeter dans l'imaginaire en n'ayant pas beaucoup d'éléments pour s'appuyer dessus. Voilà. Et puis, bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parmi, attends, hop, galerie. Non, oui. Bon. Eh bien, il est quelle heure? Ah, ben, on a dépassé, hein, il est 18h30. On a dépassé. Non, et puis en plus, c'est bien que Marina ait pris la parole en dernier, puisque c'est Marina qui va faire une conférence la semaine prochaine sur la... Alors, elle en parlera mieux que moi, mais j'ai compris que c'était sur la co-conception, justement, architecte, scénographe. Ah oui, ouais. Sur les musées, donc… ça m'intéresse, tiens. Ce sera mais, moi, je crois que je ne serai pas là, mais du coup, comme ça sera enregistré, on pourra l'écouter. Eh bien, si Marina l'autorise, oui. Oui, ben, c'est intéressant. J'ai autorisé. Ah. Bon. Non, mais ça fera, je pense, un lien très intéressant avec… Ouais, ce sera assez. Ce sera à nouveau des études de projet aussi, mais ce sera assez complémentaire, je pense. Dans des bâtiments existants, dans des bâtiments neufs, dans les. Le projet du pavillon d'exposition universelle de Dubaï en 2020, donc ouais. Un bâtiment neuf, et le musée d'Autun sur lequel je travaille. Ah bah alors j'ai regardé alors. Okay. Et là, il y avait un vrai programme là. Il y avait un vrai programme, oui. Bon, on va pas divulgâcher, comme ils disent. Ah ben non, il faut pas. Mais du coup, à l'agence, on va regarder. Hein, parce que là, on est vachement pressé, on est curieux. Bon, ben on va conclure comme ça, je pense, sauf s'il y a une manifestation d'un coup. Une dernière question. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Pour cette avec conférence. Plaisir. Voilà, et puis on va se débrouiller, je pense, pour visiter maintenant d'un œil aguerri la Monnaie. Oui, on arrive à faire ça maintenant que c'est ouvert, il faut en profiter. Donc je t'appellerai, on verra qu'est-ce qu'il y a comme date. Oui, ok. Super, merci beaucoup. Merci, à bientôt, bon week-end. Au revoir. Merci.